Hey yo tout le monde! Comment allez-vous? Ça va ou quoi? Yo Alban, yo tout le monde, yo Jolrae, Wallaland, Léonome, la modération. J'espère que vous allez bien. Nestra, merci beaucoup pour ton 24e mois. Merci, re-bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et bonsoir, Mailleul. Bonsoir, toi, nous. Comment allez-vous? Yo, Satine Echo. Bon. Allez, traîne pas trop. Inventaire, on va manger un peu. Hop, juste après avoir bouffé une pomme. Incroyable. Ah ouais, j'ai découvert cet anime. Ouais, maintenant, on va faire des collations. Je vous le dis. Dès qu'on va avoir des temps morts, on va fumer la cigarette électronique et on va manger une pomme. Voilà. Incroyable. Allez, on y va. Chercher les clés. Je les ai posés. Là, ça marche. T'as pu voir avec 95 pour la VSTR et le Riot? Non, je l'ai pas revu depuis. Ouais, je sens que ça va être compliqué. Mais là. Parce que du coup, si on a une OP, bah, ça va être mon Riot et ma VSTR, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Ah oui, on a pas de véhicule de secours. Et ça, c'est chiant. Hop les. Bon, on est pas forcément obligé de se foutre dans le bureau. Bon, t'as vu le plan? Enfin, du moins l'opération qu'ils ont mis en place là. Faut qu'on voit avec eux comment on fait les choses. Parce que je pars du principe que c'est leur opération. Donc, c'est eux qui vont lead l'ensemble de l'opération. Nous, on va lead juste notre partie SWAT pour intervenir, d'accord? Je sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu de faire ça, je sais pas si c'est pour ce soir ou pas. Je sais pas du tout, j'ai pas encore eu l'occasion de croiser un lit de BE. Ok, bon, de toute Donc façon, je sais pas. ils vont nous briefer Oh pour ça. pardon! Ah bah super! Désolé. Ça me rend nerveux de pas tout savoir. Ouais. Bastou, merci beaucoup pour ton 24e mois, merci, bienvenue à toi. Du coup, ouais, faut voir ce qui, pour quand c'est prévu, quoi, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais voir avec toi? Ouais, sur la suite de la prise de poste de numéro 2, là. En soi, ça change rien dans le fonctionnement, juste que si je suis pas là, bah tu gères plus que ce que tu gérais avant. C'est-à-dire que si jamais je suis pas là et que le SWAT doit se faire taper dessus, bah c'est pour ta gueule. Si il y a des questions qui viennent à l'instant T et qui se passent pas par l'intranet, c'est pour ta gueule. En gros, tout ce qui se fait hors intranet et que si je suis pas là physiquement. C'est pour toi. C'est pour ma gueule. Yeah, ça Ok. marche, pas de soucis. Si jamais tu sais pas, je suis toujours accessible. Donc, M45. t'hésites pas. Okay. Pas de grosses décisions hâtives. S'il y a des gros trucs qui se présentent, on tempo et on en parle tous les deux. Et je tranche.
Si jamais il y en a qui font de la merde au SWAT et que je suis pas là, bah t'es aussi apte à foutre des sanctions. Ok. Le but c'est pas de décourager les gars. Par exemple, regarde sur l'intervention qu'il y a eu au préalable où 21 a fait acte de feu. La sanction a été retrait de l'accréditation 4-3 et elle le repasse. Donc elle l'a repassé, donc c'est tout bon, tu vois. Mais voilà, c'est ce genre de choses, tu vois. Si vraiment c'est un gros truc, blâme, mise à pied de quelques jours du SWAT, voire une semaine. Et puis voilà, quoi. Enfin, tu vois, et Ah oui, puis si des petites vraiment c'est sanctions un... SWAT, j'ai Ouais, déjà pu voilà. voir depuis le temps que je suis là, donc ok. Donc, Pas de souci. voilà. Si je suis pas là, alors, la politique actuelle, je veux qu'on soit tous les soirs en formation. Sauf contre ordre. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le soir, j'ai vu, on est assez au LSPD pour qu'il se satisfasse tout seul. Et nous, derrière, on Oui, peut aller en clairement. entraînement, tu vois. Et si vraiment il y a un pépin, bah, ils font un appel radio dont le lead de l'entraînement reste principal. Mais on redescend, quoi. Voilà. Ah oui, bah oui, on reste Ok. disponible. Ok. Donc voilà. J'ai parlé avec le commandement, tu sais, par rapport à l'interrogation que tu as eue. Je te confirme bien, ça change rien. Ils décident eux de dire de temps en temps en mode oui là on sort le SWAT, mais en soi c'est ce qui se faisait déjà avant, sauf que c'était pas écrit quoi. Ok. Je demandais entre guillemets toujours l'autorisation, permission de sortir le SWAT. Le SWAT je le gère comme je veux, mais pour les sorties etc. bah il faut que ce soit cadré et sous certaines conditions pour pas que ça devienne trop banal. Ah oui, normal. Ok. Ok, ça marche. Donc voilà, Ça me pas rassure. d'inquiétude à avoir là-dessus. Les rapports avec le BE, bah, plutôt bon. On n'a pas trop de soucis. 33 nous a plutôt à la bonne. Ok. On Bon, parle après, on le plutôt voit plus bien. trop ces derniers Ouais, temps. mais je parle plus ou moins bien avec lui, on s'entend bien. Sauf quand Ok. il décide de casser les couilles, mais il sait que j'hésiterai pas à lui rentrer dedans et vice versa. Donc c'est pour ça que ça se passe bien, quoi. Il y a pas de non-dit entre nous deux, les choses se disent. Si on doit se rentrer dedans, on se rentre dedans. Et puis après, bah, une bonne bière et c'est reparti, quoi. Mais voilà, en gros, Ok. pour un peu ce qui concerne 33. Concernant l'anti-gang. L'anti-gang, c'est un peu particulier. J'ai l'impression qu'il y a un petit concours de quéquette entre les deux unités. Pas spécialement d'une autre, mais surtout du leur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand tu parles avec certains, pour pas en citer 25 notamment, j'ai l'impression qu'ils prennent légèrement de haut. Prête-y pas attention, tu laisses faire. Oui, non, je laisse Ok. pisser. Nous, on n'est pas là pour faire un concours de kick-ass. S'il veut faire son concours de kick-ass, très bien, il a gagné, basta, on passe à autre chose. Ok. Je sais pas qui est le lead anti-gang actuellement. Je sais pas si c'est 25, je sais pas si 45 a nommé quelqu'un d'autre. Pour le moment, je sais pas. Ça ne Non, saurait je sais que tarder. c'était 04 4 à une et époque et 27. 25 et 27, Ouais, ouais, sauf que 27. 27 est parti. Donc est-ce que 25 a repris un truc? Je sais pas. Je sais pas, j'ai vu sur l'intranet qu'il avait fait la demande, après si ça a été fait ou pas. Ouais. Bon, on verra. Il a fait une demande pour devenir lieutenant. Donc s'il devient Ok. lieutenant, ce sera lui le lead de anti-gang, quoi. Ok. Voilà. Ça, cette info, tu la gardes pour toi. C'est juste pour un Ah bah titre informatif. ça... À Il moins que ce l'avait soit fait foutu... déjà. Ah mais oui, mais Il il l'a l'avait foutu aux yeux foutu de sur le tous, de toute façon. sergent-chef. Ouais, bon, bah, Oui. nickel. Ok. Ok. Quoi d'autre? Si, bah du coup, comme je veux des entraînements tous les soirs, etc., va falloir être innovant. Eugénio, comment Marche. vas-tu? Après, je sais que 21-86, c'est encore des trucs de préparer sous la main. Ouais, Donc, mais après, oui, tu je vois, il n'y a pense pas qu'il que, n'y hein. a pas de Il n'y a pas souci. que qui peuvent faire des formations, hein. Sachant que maintenant, il y Oui, en je aura sais. tous les soirs. N'hésitez pas à trouver des trucs, quoi.
Yeah, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah écoute, ça va bien, Géno, ça va, ça va. C'est à peu près tout. Faudra que tu vois avec 95 et qui sera là pour lui prendre sa VSTR et son Riot. Ah oui, dès que je le croise, faut qu'on Pour s'en occupe. info, l'insurgent pour le moment se le met dans le cul. Ok. Oui, bah j'ai parlé à 45. D'ailleurs, il m'a dit, il va voir, il veut nous enlever les VSTR, nous Non, non, mais foutre ça les c'est mort. Caracara à la Non, non, place c'est mort. C'est mort. pour forcer les Non, non, c'est Grangers de mort. l'Antigan. Non, non, c'est mort. C'est Oui, mort. Il on est t'a dit ça d'accord. quand? Hier ou avant-hier, bah, justement, quand je l'ai vu pour lui demander comment on s'organisait pour le transfert des Attends. véhicules, T'es jeté les vu que quand on frères. le revend au concession, il y a de la perte. Et du coup, il m'a dit, ah oui, bah, va avec 07, tu me prépares une fiche de calcul et tout. Ah Oui. ouais. Oui, Oh là, non, mais oh il a putain. commencé à me prendre l'air là, le 45. Préparer les fiches des calculs, tout mon cul, on va revendre Laisse les tomber. véhicules et puis et nous file la différence. Ok, de toute façon les Vester on les vendra pas, je te le dis, ça c'est niet. Tant qu'il me donne pas mon insurgent, on vendra pas les Vester. C'est comme ça que c'est convenu et c'est comme ça que ça restera. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Je Voilà. lui ai dit, vous nous enlevez les VSTR, pas de souci, mais pas de caracara. Nous, on veut l'insurgent, on se fait tirer dessus au lance-grenade, on veut être en sécurité. Hein. C'est clair. De toute façon, ça je gérerai avec lui et vu que c'est moi qui ai la VSTR, bah, il me rappelle, attends. Allô? Oui, 07, que puis-je pour vous? Ouais, dites-moi, je suis en train de parler avec 68 là pour lui donner un peu les directives pour être numéro 2 du SWAT. Il m'a informé d'un truc qui me chagrine. Apparemment, vous avez parlé d'enlever les VSTR. C'est niet. Je m'explique. On est Alors. en pour parler de ça, oui. Non, non, mais il n'y aura pas de pourparlers. Le deal, c'est que si j'ai un insurgent, on revend les VSTR. Si on n'a pas d'insurgent, il n'y a pas de revente de VSTR. C'est comme ça que ça a été convenu avec les anciens commandants. Et je compte bien continuer dans ce sens-là. Le Caracara ne m'intéresse pas. Oui, bah là, ce que je suis en train de réfléchir, c'est proposer un autre véhicule qui pourrait correspondre. Le problème de la Insurgent. VSTR, c'est que 30. Oui, mais l'insurgent, on parle d'un tank là. On faut trouver Ah un autre bah. véhicule, juste un véhicule J'ai le spécifique, Riot, mais d'autres. mais j'ai besoin de la VSTR. Oui, parce que le truc de le problème de la VSTR, c'est que ça correspond pas du tout aux missions que vous devriez avoir en tant que SWAT. Bah, C'est un donnez-moi un véhicule et insurgent. c'est un véhicule qui est commandement et à vous de vous à moi, la VSTR je m'entends pas le coquillard. C'est plus 32 qui est dans l'optique de remettre les VSTR en Oh, commandement. ouais, mais. Alors, c'est déjà le cas. Mais alors, là, je vous fais une petite confidence parce qu'il faut qu'encore que je vois 32. La VSTR que je possède, c'est la VSTR de commandement que j'avais. 10 me l'a offerte quand m'a demandé de la garder en souvenir lorsque j'ai rendu le badge pendant quelques mois. Je compte pas non plus la vendre. Elle a des valeurs un peu sentimentales, celle-ci. Oui, mais vous pouvez comprendre que si on a demandé à 44 de revendre sa VSTR et de plus s'en 44 n'a servir, pas c'est été pas pour que. commandant 45. Oui, mais ça, après, c'est un peu compliqué. Je vous vois avec 32 et on en reparle 07. Ouais, ça marche. Mais je vous le dis d'avance, je serai buté, hein. Et très têtu. Oui, comme je vous dis, là, après, moi, je vous avoue que moi, je lève les mains, c'est pas ma guerre. Hein. Ouais, bah voilà. Mais comme ça, je vous le dis. Mais je suis quelqu'un d'important, c'est normal que vous soyez plus nombreux pour moi. Allez, merci, Ah, plus 07. tard. T'inquiète, on va les garder ces vestiaires. Oui. Ok. On disait quoi? À part ce point-là. On parlait justement des transferts de véhicules et tout. Ouais, ok, bah ça faudra voir avec 95 du coup. Sinon, faut voir avec l'assurance, voir s'ils peuvent refaire les cartes grises. Et puis voilà. Bah après, il y a rien Ça, de fou, il me semble hein. que c'est possible via le autose.
Ouais, Faut bah au pire vous payer allez au... 5 000 dollars. Ouais, bah voilà, bah vous allez Équipe au TOS, centrale, ils font les papiers, et puis CPR, voilà. aux NSA. Bah c'est ça. Je pense que ce sera plus simple que de Ah compter bah oui, pour et le puis commandement. revendre. Oh, oui, c'est Et en clair. plus, achat à revendre, Ouais, que des bah tes refus, BP Ludo, et perdent on m'a chié 30% à dessus tout à chaque l'heure. fois. Puis bon, Riot et VSTR, c'est pas des petites sommes non J'ai plus. appelé, enfin une agence m'a appelé en mode oui, du coup vous êtes sur Paris? Je fais bah non, je vous ai dit que j'étais à Lyon. Et ils m'ont dit ah bah vous nous rappelez quand vous pouvez vous déplacer. Au revoir. Une espèce de connard, je viens de t'expliquer ma situation. Enfin bref. Ok, Et que des bon, 27 bah jusqu'au jour écoute, de la mort? c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Et puis voilà. Ça marche. T'avais des trucs à ajouter? Non, je sais que tu m'as demandé hier de réfléchir à des nouveaux trucs pour le SWAT, mais je t'avoue, hier soir, Et je t'ai 29, c'est tapé ça, une 18. heure de paperasse après le service encore à la maison. Cet après-midi, je me suis encore tapé 1 heure et demie de paperasse, plus gestion des brokers qui cassent les couilles à tirer sur les SOA juste pour Ça un c'est pas notre accident. bilan. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, on va passer notre vie en entraînement. S'ils ont besoin, ils nous appellent, mais sinon on va s'entraîner. Non, Voilà. mais je veux dire, cet après-midi, je suis le plus haut gradé. Bah, c'est à Ah moi ouais. Ah bah oui, c'était à toi de de gérer. gérer les javets, gérer les interrogatoires, alors que moi, les interrogatoires, j'ai jamais fait. J'ai même pas la formation de base. Bah, je me suis démerdé. Ça va, j'ai réussi à tout boucler. Hop là. Bah, du coup, ça, en ce moment, il y a l'après-midi. Bah, c'est moi qui l'aide tout le monde. Ok. Voilà, sinon, non. Comme dire, le seul souci pour l'instant que j'ai, c'est le souci des véhicules. Bon, il faudra que je regarde ça avec 95. Ouais, n'hésite pas à lui faire un petit message dans le dans Équipe l'intranet, hein. centrale, code 15. Je vais appeler Flash Je pour sens que voir je vais si passer un. c'est. Je sens que je vais encore passer une bonne soirée, moi, avec le commandant. J'ai l'impression de me prendre que la tête avec lui. Genre, il y a 29, vous partez en zéro patrouille soirée où ou tout vous va faites bien. semblant de travailler? Ah, 10-10, je fais semblant de travailler. 10-4, bien pris. Super les calls de 29. J'ai l'impression en ce moment ils ont envie d'un petit peu de taper sur le SWAT. Bon. Oui, bon, écoute, pour le moment, on a bon dos jusqu'au jour où Est-ce que je les leur dirai d'aller 27 se sont faire rentrés en enculer. attente de dispatch? D'accord. Et 10-4, Je vais Team appeler Central va faire un Flash 10-19 Thompson pour pour voir dispatch. si le changement des cartes grises ça se fait Ouais, rapidement ou ça appelle-le, du vois ça. délai. Moi, je vais aller chercher des lunettes de soleil dans le vestiaire, j'arrive. Là, ça marche. T'avances, ça marche. Non mais c'est un truc de fou, tu sais, tu leur expliques que voilà, t'es fonctionnaire, que t'as pas 18 de encore la 23. possibilité de te déplacer pour visiter, mais que deux photos ça suffit, on prend l'appart, basta, on envoie le dossier, c'est plié, tu vois. Bah non. Et 29 Bah nique ta PHR mère. au Bilco à côté du poste. Et bonjour. Ouais, on sort. Et King 11, code 4. Et escape. Altinéa, merci beaucoup pour ton 21e mois. Merci, bienvenue à toi. Ah, je sais pas si je vais m'habituer au con. Et de King 11, on se rend sur la dernière supérette, 1,9 km. Hey, 10-4, bon courage. Il va nous en falloir.
Je vais mettre sur le plan de des EBS du coup. Ouais, bah bon courage. Yes. Mais ça va, j'ai visité un peu, je vois à quoi ça ressemble. Ça Ok. devrait faire. Bah bon courage. Oui. À plus tard. Aïe. Et 10-23, véhicule sportif rouge avec des bandes noires, début de 10-31. Hop. Oh, apparemment, ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours, grand max. Et faut juste que je leur envoie le numéro de plaque et enchaîne au propriétaire. Ok. Bah, essaye d'envoyer un mail à 95 pour qu'il te donne tout ça. Hein. Yeah. Oh, t'as réussi à me tendre avec ton sujet là. Casse les couilles quand ils mettent leur nez dans le SWAT là alors qu'ils ont pas à le mettre. Ah, je savais que ça allait tendre, mais bon, fallait que je te le dise. Ouais, mais de toute façon les vestiaires on les vendra pas. Et puis ils pourront faire ce qu'ils veulent, je les vendrai pas. Donc voilà. Donc c'est soit ils plient et ils trouvent un insurgent sorti de leur cul, soit on les vend pas. Voilà. Ça a été le deal avec Non, 10, ça sera le deal avec 32, il l'acceptera comme ça. Et si ça lui plaît pas, c'est pareil. mais en plus, j'aime bien parce que au début, 10, il disait que c'était 3 millions. Après, c'était 3 millions 5. Là, 45, il m'en a parlé, il m'a sorti 4 millions. Dans 2 semaines, Ouais, non, mais... ouais, mais ça dans prend de deux la semaines, il valeur, tu coûte 8 millions, comprends. le bordel. Ah ouais, non, mais ça prend de la valeur. T'inquiète. Le 17, c'est un 18. Et bonjour. Hop, voilà, ça envoyait. Saute un coup, là, t'es tendu. King 11 vous fera un Parfait. 10-19 après votre 10-31, merci. Ah, c'est 45 qui me tombe. Et 10-4. Lui, il est devenu... Enfin, je sais pas. En lieutenant, il était tout moelleux, machin. Là, il me casse les couilles. Et lui, il va pas mettre son nez longtemps dans le SWAT, moi, je te le dis. Il va rester gentiment à sa place, sinon c'est moi qui vais le mettre à sa place. J'ai Rien à l'impression que foutre. ça, maintenant, vu qu'il est capitaine, il peut dire ce qu'il veut dans n'importe quelle des sections. Oui, bon, on va voir. On va voir. D'ici, s'il se le permettait pas, il était commandant. Donc c'est pas eux qui vont commencer. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Et puis s'ils poussent trop, bah. Ils vont se retrouver sans le SWAT. Yeah. Sans SWAT et les agents prendront même plus leur service. Voilà. Et on va voir.
Ça fait quand même 10 bonhommes, hein. Actifs. Hein. Ah, ça va la faire tout drôle. Surtout qu'on a des très bons faits d'armes, très peu de victimes collatérales sur Ah toutes les oh, OP depuis le clairement, début. clairement. Ah putain, les C'est pas grave, chauves-souris, hein, ils mec. se tirent une balle dans le pied tout seul. Ah bon, ils s'en rendront compte trop tard. Ah bah oui. Faut que j'aille voir un mec là, il va me donner une info, je reviens. Yeah, ça marche. Et bonjour 72. Et 72, vous pouvez partir avec 24 en Adam. Et disquette. Et King 11, annulation sur le 10-19. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Répétez, call central, je vous ai pas écouté. Et King 11, annulation sur le 10-19. Et 10-4, c'est bien ce que j'avais entendu. Alors... Et 32, c'est un 18. Et ce saute 12 début de patrouille. Et il se casse. Et 29, 19. De 07 et de 07 pied à terre place des cubes. 80 pied à terre autos. Et ils se cassent tous. Et bonjour 13.
make an appointment for, like, right now? What's the use of having a shrink if she's not on call 24/7? Non mais... Bonsoir, comment ça va? Hey, ça va, il vous manque pas un truc là à la voiture? Un truc à la voiture? Ouais, oh, non. La 4 roues, okay. L'improviseur, non, c'est bon, pourquoi? Ok, ouais, c'est juste que je voulais savoir. Bon, dites-moi tout. Tu? Non, déjà j'ai dit tout, j'ai pas dit tu. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit tu. Non, c'est tout. Avec un non, j'ai dit tu. Et bah, tout. C'est ce que je viens de dire. Bah non, non, vous avez dit tu. Non, j'ai dit tu. Bah oui, vous avez dit tu. J'ai dit tu. Moi j'ai dit, dites-moi tout. Bah tu. Ah oui, ça va être... Ok, si vous voulez. Oui, c'est bien vous, le lieutenant Schroeder. Hein, c'est bien moi, effectivement. Alors, en effet, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Les... Alors, c'est plus pour vous personnellement. Ok. Bon, ça vous concerne autant, vu que vous êtes, si je me souviens bien, chef du SWAT, c'est... Affirmatif. Allez, hurre. Il y a un gang qui cherche à connaître à tout prix là où vous habitez pour venir vous faire la peluche. D'accord. Bah, vous voulez une info encore plus pertinente? Vous pouvez leur dire que j'ai pas de maison. Vous habitez où, allez? Ouais, je dors au poste. Donc ça va être compliqué pour eux. Hein. Bah oui, là, du cul. Bah ouais, pas d'accueil. Et c'est qui, c'est charmant monsieur? Alors ça dépend, vous êtes frappé combien pour ça vous? Ouais, j'ai 7500 sur moi, là. Ça me va. C'est les brokers. Tenez. Bien reçu? Oui, c'est nickel. Ouais, merci beaucoup. Bah, et oui, c'est moi. Les brokers qui recherchent à tout prix ouais, à vous faire la peau. Je sais pas ce que vous leur avez fait, mais ils vous en veulent. Hein. Ouais, je les ai juste envoyés chier une fois. Ils sont un peu susceptibles, vous savez. Ah ben? Ouais. Ah la vache. Mm. Juste parce que vous les avez envoyés chier, ils veulent vous faire la peau? Ouais. Ouais, c'est... Bon, ce sera pas les premiers, ça sera pas les derniers. Bah oui, d'accord. Bon, faites attention à vous quand même. Hein. Ouais, ça marche. Et bah merci et beaucoup. Bah, pas de soucis, avec plaisir. Et puis bah, n'hésitez pas si vous en avez. Je paye bien. Je vous rappelle dès que j'ai quelque chose. Et bah on fait comme ça. Ta mère, bah... Lincoln 07 10 19. Et 10-4, et dès que possible, je vous demande un 10-19 à tous pour redispatch en vue d'un événement ce soir potentiel. 10-4. Et des absolutes des outils d'œuf pour changement de véhicule. Ah bah vous tombez bien, nickel. Et hop, oui, ça va être rapide. Oui. J'ai 68 qui est venu me voir me disant que 45 veut virer les VSTR du SWAT. Ouais. Du coup j'ai appelé 45, je lui ai dit que, bah, que le deal c'était d'avoir un insurgent. Je demande pas une mitraillette sur un insurgent, je demande l'insurgent. Les VSTR, il a été convenu qu'on les gardait le temps de d'avoir les insurgents. Et je compte bien ne pas changer d'avis et d'être très têtu là-dessus. Sachant qu'on limite beaucoup les sorties en ce moment. De bonne heure, vous voulez qu'on, qu'on arrête de me casser les couilles sur le SWAT. Non, pour vous, c'est bon. Alors, moi, personnellement, sur l'événement à venir. Si vous me dites... Alors, attendez, finissez pas cette phrase. Parce que si vous me dites que vous, vous en avez rien à foutre et que c'est 45 qui pousse, 45 m'a dit qu'il en avait rien à foutre et c'était vous qui poussiez. Alors, non, à un moment donné... Moi, dans l'optique où oui, vous, voulez les vous en abusez pour... pas... Bah, techniquement, elles dorment. Et que je t'ai jamais vu de façon patrouillée autrement bah, qu'en SWAT en VSTR, ça me pose pas de soucis. Par exemple, pour les alertes 2, je vais pas sortir le Riot. Vous voyez ce que non. je veux dire le problème étant, c'est qu'on n'a pas un véhicule adapté qui soit un entre-deux, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé que vous ayez genre des gens de Buffalo Banana, comme ça, c'est des bonnes voitures pour le SWAT. Mais, ouais, elles sont moches, les Buffalo. Ouais, et mais puis, en tout cas, elles sont belles.
Ouais, un insurgent tout noir, c'est beau aussi. Oui, mais ça coûte 3 millions et demi. Bah, on revend tous les Riot et toutes les VSTR, hein, ça fait pratiquement. Un insurgent, après, c'est 3. Complètement disproportionné. Bah, bien sûr que non, je vous demande pas une mitraillette sur l'insurgent, ça sera la même chose que le Riot, un peu plus rapide. Oui. Bah. Et de ce peut s'occuper faut pas le... Techniquement, je vois pas où le problème. Bah, hein. Bah, c'est 3 millions et demi pour un seul véhicule, tu vois. C'est pris 10 VSTR, quoi. Non, mais oui, non, mais hormis le prix, me dites pas que c'est trop fort. Sachant que ça a la même, le même blindage que le Riot et que c'est légèrement plus rapide. Oui, du coup, pour, voilà. Oui, pour 6 fois le prix, 6 fois et demi le prix d'un Riot, je peux comprendre que c'est abusé, quoi. Je comprends que si c'était 1 million... Maintenant, demain j'amène une valise de 3 millions 5. Oui, mais on le prend, je m'en fous. Mais, Très bien. Oui, mais va pas braquer les banques. Bonsoir. Non, non, vous inquiétez. Mais, le truc, c'est que maintenant, il serait 1 million, je te dirais go, tu vois, mais 3 millions et demi, je trouve que c'est vraiment... Oui, ben voilà, bah, alors arrêtez de venir me saouler sur le SWAT. C'est tout ce que je vous demande. Le SWAT, jusqu'à présent, et vous l'avez confirmé, il est très bien géré jusqu'à maintenant. Arrêtez de mettre votre nez dedans pour changer des trucs. Surtout pour aller en parler à 68. J'ai 68, je suis pas là depuis deux jours. Non, mais je vous parle parce que c'est lui qui m'a fait aller remonter. J'ai horreur d'un truc, c'est qu'on fasse des choses derrière moi et que je les apprenne par d'autres gens. Vous avez quelque chose à venir dire sur le SWAT, vous venez me voir. On a toujours pu discuter là-dessus. Arrêtez de vouloir tout changer. Et surtout qu'on a rien, on a rien d'essayer de changer, on a même pas pensé le truc, on y pense, on en parlerait avant de vouloir faire un truc, on en aurait parlé avec vous. Je sais même pas qu'il a commencé à parler de VSTR, mais bah, comment ça qu'on a jamais parlé de VSTR? Oui, si vous voyez, c'est 68, c'est un peu enflammé, c'est un peu enflammé. Bah, voilà. Bah au moins comme ça, je clôt le débat, et puis voilà. Et deuxième chose, mais là, il faut que je vous voie perso. Ouais. Go. Commandement ou uniquement... Ouais, bah venez. Allez, go. On va accueillir. Accueillir, ouais, c'est très bien. Parfait. Je viens d'avoir un indic là. Ouais. Y a les brokers qui cherchent où est-ce que j'habite. D'accord. Pour me faire à la peau. Bon, ils vont être déçus parce que j'habite ici. Mais voilà, au moins on le sait. Ouais. Et puis voilà quoi. Ok. Donc on peut m'en bon, ça m'en... Oui, complètement. Oui. Ça me m'impressionne pas plus que ça. Mais voilà, au moins on le sait si jamais demain il se passe un truc. Bon, ils cherchent. Bah, qui cherche bien, parce que si à la limite ils peuvent me trouver un appart, je suis preneur. Mais. Et tout cas, vendre en ce moment d'ailleurs. Ouais, pas mal de choses. Et si Deuxio, je fais une petite parenthèse. Ouais. Alors je reviens sur ce sujet là, mais la VSTR que j'ai, c'est celle que j'avais oui. en commandement. Et bonjour, 10 me l'a gracieusement offerte en souvenir lorsque j'ai décidé de rendre le badge pendant quelques mois. Et. En souvenir de mon passage en commandement. J'aimerais, et j'y tiens beaucoup, ne pas la vendre. Si un jour on arrive à voir les insurgents. Enfin, l'insurgent plutôt, parce que vu le prix, je vais pas réussir à trouver 3 millions tous les jours. Oui, non. Après, si demain l'État nous dote de 30 millions de budget, je m'en fous. Non, mais oui, non, mais voilà. Mais enfin, voilà, c'était aussi la petite parenthèse pour dire que celle-ci, elle a une petite valeur en plus que. Oh oui, après, que tu l'as gardée comme voiture de collection. Moi, je... Ouais, c'est juste faut éviter de la sortir. Non, bah après, comme on disait juste avant, vu que vous êtes arrivé entre temps, mais en gros, oui. Les seules fois où on est en véhicule type VSTR, c'est sur les alertes d'état d'urgence. Sachant que bah, maintenant on sortira sur l'alerte niveau 2, bah, en soi, je me vois pas faire des patrouilles en Riot. Ouais, non, mais ça on est d'accord. Voilà. Mais ça par oui. exemple, sur une banque, je verrai ça plus. Ça sera le Riot. Voilà, soit un Riot, ah mais soit, non, non, mais c'est sûr, les VSTR sont présentes uniquement pour bah, soit se déplacer jusqu'à la base militaire, pour être légèrement plus rapide. Grand-chose serait bien, non? Non. Eh, bah, je trouve qu'il y a un beau non, grand non, donnez ça, putain, ça... Non plus, donnez ça à l'Antigon. Je vous ai dit, c'est insurgent ou VSTR. Là-dessus, je vais être très non, mais je parle pour tes banques, on va faire du Riot. Ah, bah, bon, alors Riot, c'est pas mal, c'est blindé. Pour les oui. banques. Et après, moi j'avais pensé, aussi, j'avais aussi des bowlers blindés aussi. Et bonjour à tous. Je peux remplacer le Riot? Pas forcément le Riot, mais c'était en remplacement de. C'était plutôt pour avoir le juste milieu entre VSTR et pour pouvoir vous déplacer, etc. On est sur un véhicule quand même blindé et quand même vous n'avez pas 3 à l'heure pour vous déplacer. Tu sais, par exemple, rien que sur les convois de saisie, il y a les VSTR, elles accompagnent les convois de saisie, c'est ça? Elles les accompagnent, ouais. Ouais.
Oui. Donc je me dis, je verrais bien, ouais, bowler. Ouais, c'est un bowler un peu maudit, c'est pas mal. J'aime pas le changement. Eh, je sais. L'objectif, J'aime c'est pas pas le de vous. changement. L'objectif, c'est pas de vous Donc, casser les pieds, c'est de trouver. bah, là, malheureusement, j'ai bien l'impression. Mais c'est Ah parce que non, là, je je pense. réagis à chaud. Et qu'à chaque fois qu'on Oui, parle tout du de SWAT, suite. généralement, c'est parce que je l'apprends de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ça me tend. Je pense que tes gars, parfois, ils ont tendance. Enfin, je sais pas, moi, ça fait. Je sais pas, avant-hier, j'ai. Enfin, la dernière fois que je suis en service, c'était avant-hier. Je sais même pas si j'ai vu quelqu'un pour le SWAT. Et la fois d'avant, bah, la dernière fois qu'on a parlé du SWAT, c'était quand on Et parlait des même. états d'alerte. Autrement, je vois pas. Même moi, je vois pas en avoir parlé avec 68. Ok, bon, je verrai ça avec lui. Après, il Mais va voilà, fléchir quoi à voix haute et qu'il. que Ça 68, fait... il Quoi est trop qu'il, foutu, peut-être, mais. passez plutôt par moi, ça évite les on-dit et tout Bien ça. sûr. Bah, c'est ce Et qu'on a toujours fait. deuxio, sachez que, comme je vous ai dit sur le sujet, autant on peut changer beaucoup de choses, autant sur le sujet du SWAT, très peu. Oui, Parce c'est que ça sûr. Parce que fonctionne. sur. Après, Parce que le sujet, on en a parlé, mais on n'a même pas parlé ensemble avec vous comme deux. je l'avais noté sur l'intra, le SWAT est un service de l'SPD 07. Oui, bah jusqu'à ce qu'on Sous-en du soit commandement. délocalisé. Jusqu'à ce qu'on soit délocalisé. Et j'y compte Oui. bien un jour. Un Je vous jour, cache rien, on en a déjà parlé, hein. Le jour où oui. on a un gouvernement, je ferai mon dossier. Ouais. Bon, ça va, ça sera pas de mon vivant. Une fois que je vois le Allez, c'est photo de moi parti! dans le Bon, journal, oui. je vais. Bon, il y a un Ouais. procureur qui arrive, donc peut-être que si. Oui, on verra. Oui, mais c'est. Vous savez, entre vous et le BE, tous les mêmes rêves, c'est beau. Oui. Bah écoutez. Rien n'empêche de faire un Why not? dossier. Bien Bah, sûr. rien n'empêche de faire un dossier. Non. On n'est pas là, vous avez un lieutenant, vous pouvez Bien, c'est un peu tendu, mais pas trop. Bah, en fait, ils essayent d'arrondir les angles parce qu'ils savent que je peux être très con. Voilà. Et ils savent qu'ils auront pas raison. Donc, sachant que, autant j'accepte de. Enfin, autant. Autant, tu vois, eux, ils ont fait leur unité, ils l'ont géré comme ils voulaient, machin, tu vois. Mais Ah, le sang fiacre. le truc, c'est que bah, le SWAT, ils le savent, tu vois. Et en plus, ils le disent, c'est super bien Ça du géré, tout fiac. ça, tout ça. Il n'y a pas de raison qu'ils y touchent, quoi, c'est tout. Bon, c'est bon, affaire réglée, on garde les vestiaires. Bien Et joué. ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'ils t'en ont jamais parlé, 68. Enfin bref, tu vois comme quoi ça perd un peu ses couilles. Quoi? Ouais, bah, c'est Excuse-moi. pas grave. Ok. On s'en fout, on n'en parle plus, affaire classée. Là. Et puis voilà, il m'a rebalancé dans la gueule que le SWAT était un service du LSPD. Je lui ai dit oui, jusqu'à ce que j'arrive à nous délocaliser. Il m'a dit bah ça sera pas de mon vivant. Je fais bah faites attention, il y a le procureur qui arrive très vite. Et puis la discussion s'est un peu coupée un peu comme ça, tu vois. Donc bref. Ok. Très bonne ambiance. Ouais, mais bon. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, va falloir voir avec le BE là, voir s'ils veulent faire ça ce soir. Et. Ah, 16. Ah, bah justement, on parlait de vous. Ouais. C'était pour dire que si vous voulez, je suis dispo pour qu'on cause. Je Ouais, te signe. on vous retrouve où dans votre salle? Puisque je suis un Eh peu bah occupé. allez. Et bon, on se Et rejoint ça dans le marche. couloir. Ça roule. Et tout de suite. Et centrale à tous, on va se retrouver au garage pour dispatch. On arrive 23, on fera un brief. J'y vais avec Yes, ça 68. marche. T'as fermé ou... Non? Ouais, je ferme. De toute façon, ils sont en face de nous, techniquement, ils sont là, non? Je sais pas où ils sont entre eux et l'anti-gang. J'ai jamais su. Bah, je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. On va attendre dans le couloir, et puis on va voir. Et monsieur. Eh, salut, Seize. On sait plus quelle est votre salle. Parce que ça, Et au pareil. début, c'était pas très. Ok, c'est là-bas. Ça marche. Et ouais, bon, on a échangé avec l'anti-gang il y a un moment. Ouais. Pour ça, je savais plus où c'est que. Ah, mais je suis déçu, j'ai Après, pas c'est vrai qu'il y a bossé des quand bureaux tu m'as sorti. aussi, n'importe, hein. Ouais, bon, de toute façon, ça c'est une salle. Ça va pas changer grand-chose.
De toute façon, le document, vous l'avez déjà. Je sais pas si vous avez déjà pu. Si, si, ouais, on a consulté. Ouais. Ok, parfait. Du coup, de toute façon, je pense dans les grandes lignes, vous avez tous les éléments. J'ai essayé d'anticiper la partie opérationnelle. Je suis permis de proposer un placement où pour y avoir. Ouais, non, mais bien sûr, ça nous va. Libre. Ouais, non, mais ça nous va. Ça m'a l'air correct. Si la seule question qu'on avait, c'était. C'est pour un. Les... Ceux qui. Si jamais ça mord, on est d'accord que c'est les. Comment je pourrais dire ça? C'est pas de la petite frappe qu'on s'apprête à les toper. Si jamais ça mord, a priori, au vu de tous les soupçons qu'on a, ça devrait être du Brokers. Ok, ça marche. Okay. Et deuxième question, c'est pour ce soir? Non, là, clairement, ce soir, non. Moi, je vois pour faire valider tout le dossier, bouger côté EM et anti-gang. En gros, qu'on valide tout le théorique. Ça marche. Et est-ce que... au plus tôt, ça sera à partir de demain, mais dans tous les cas, c'est aussi de me donner vos feux verts. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Si on peut se préparer un peu avant pour se dire que tel jour ou tel jour... Demain, je suis pas là, donc ça tombe mal. Mais prochain jour, carrément. Si jamais on peut se mettre un message, genre est-ce qu'il y a du monde dispo telle date? Hop, tout le monde peut se préparer et comme ça on fait venir le maximum de monde possible. De toute façon, vu le coup de chaud que les brokers sont dû avoir hier en nous voyant sur la zone, il y a un monde où du coup ils vont être un peu en stand-by, rechercher des trucs ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ralentir leur activité. Pour vous donner en fait le contexte là de ce qu'il y a eu hier, on a fait une planque sur place, on avait du coup 20-09, on a infiltré, et ils se sont fait choper sur place. Du coup, ils savent qu'il y avait du flic qui était en train de scouter la zone. Ok. Donc, on a vu, ils ont dû avoir un bon gros coup de chaud à l'idée de nous voir, retour de leur truc, si jamais c'est bien eux, quoi. C'est le truc dont on parle, le 25. Ok, bon, de toute façon, il y aura le terrain. Après, on se sent que c'est plus chez nous. Hein. Oui. Bon, après, il y a le commandant et le capitaine, hein. Ils vont gérer, hein. Ils sont assez grands. Hein. Et ça va, j'avais une question, tiens, ils vous cassent pas trop les couilles, vous? Ils mettent pas trop le nez dans vos affaires en ce moment? En vrai, non. Vraiment, c'est... Et plus livré à nous-mêmes et à moi-même sur côté lit qu'autre chose. Ok, ça marche. Bon. 72, début de patrouille. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre sinon? De toute façon, lui, moi, vous me dites quand vous êtes topé, quand vous sentez que vous avez tout ce qu'il faut de votre côté. Nous, on est prêts du moment où vous, vous êtes prêts. Donc, juste à trouver une date au préalable, juste pour que je prévienne mes gars de, d'être en forme. Et puis après, c'est parti, quoi. Ok. Au plus tôt, nous, ça serait à partir de demain. Mais après, dans tous les alors, cas... Alors, ouais, non, pas demain pour moi. Ah oui, moi aussi. Mais à partir de... à partir au grand minimum, à partir de samedi et au max, quand vous voulez. Ok. Savoir du coup aussi que, de ce qu'on a observé avec les vols de véhicules, ça n'a pas l'air d'être du quotidien plus leur activité. Okay. Donc malheureusement, il y a un monde où on va devoir renouveler jusqu'à ce que ça morde. Je te rappelle... Ok, ouais, non, mais pas de problème. S'il faut faire ça sur plusieurs jours, on fait ça sur plusieurs jours. Hein, mais... Ah oui, non, juste pour annoncer la couleur du truc, quoi, malheureusement. Ouais, ça roule. C'est moi, plus de temps je passe dans cette tenue, mais c'est le plus important. Et bon, tant mieux. Donc, ok. Ça, combien vous, il faut que vous soyez, combien de véhicules? Toute la partie opérationnelle, de toute façon, c'est votre truc, j'ai rien à vous donner, à vous dire là-dessus. Juste ayez conscience que, ouais, à partir du moment où il y a le top inter, ils sont dans le garage entre 2 et 5 minutes à partir du moment où ils sont entrés. De toute façon, on aura, je pense, je ferai une exception, je pense qu'on aura les VSTR sur cette intervention. C'est clair que là, la réactivité, elle peut être importante, parce que le Riot, on sera trop lent et... Le problème c'est que c'est pas comme si c'était un champ ou autre où ça pousse en 3 heures. D'accord, mais je ferai une dérogation pour les utiliser, là, parce qu'ils me cassent un peu les couilles sur les VSTR en ce moment, donc... Pour le coup, ça serait... On ne peut plus justifier.
On est d'accord. Et pour le reste, je sais pas si vous avez des trucs à me dire, si dans ce que j'ai proposé, il y a des choses que vous voudriez modifier. Bah, si moi c'est carré, hein, votre... Yeah, ça a l'air bien préparé. Votre opération, elle est carrée, hein, elle est préparée, tout ça. De toute façon, nous, on essaiera d'être le plus possible. J'aimerais bien qu'on soit 8, parce qu'après, si on est 10, ça va être chiant pour les voitures. Mais 8, ça serait pas mal, histoire d'arriver sur deux côtés différents, si on peut. Et après, de toute façon, dans la globalité, vous allez gérer votre truc, vous nous donnez le top inter, on arrive, on fait l'inter, et puis après, vous reprenez la main sur le tout, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est pareil pour vous. Pour vous donner aussi, du coup, quelques petits éléments que j'ai peut-être pas précisé dans le dossier. Quand ils vont pour déposer la bagnole, à savoir que bon, les méthodes peuvent changer maintenant qu'ils ont eu leur coup de chaud hier. Allez, aux alentours, mais c'est un mec dans la bagnole volée qui va dans le garage, qui dépose et qui repart. Et tout du soutien extérieur possible au retour avec plein de sportifs qui tournent. Ok, ouais, donc ça tombe pas mal. Ouais, ça marche. Sans que vous ayez une idée de la disposition. En général, une fois, c'est ce qu'on a observé, donc peut-être ça peut changer, hein. Ils rentrent sous les échangeurs de Popular par l'est pour rejoindre les rails et rejoindre le LS Custom par les rails. En gros, ils passent pas directement par la petite descente devant la station essence. Est-ce que quelqu'un pourrait aller point Y pour voir si le Rebla passe dans ce secteur-là? Ok. Je sais pas si vous voyez un peu le tracé. Ouais, bien sûr. Il passe par les canaux, quoi. Pas vraiment les canaux, non. En fait, c'est sous les échangeurs au niveau. Ouais. Il n'y a pas de zip code, mais c'est vraiment pile poil au niveau entre les deux grands échangeurs. Et à la 24, on a un Rebla. Ils prennent par l'est pour rejoindre les rails et ensuite suivre les rails jusqu'au custom. Ok. De toute façon, je pense qu'au pire, je placerai une voiture là où il y a la croix orange et j'en placerai une autre dans la zone 81-83, c'est un peu dans la zone industrielle. Il y a toute une zone où on peut planquer un véhicule. Comme ça, il y a un véhicule qui arrivera par les rails et l'autre véhicule qui arrivera par la petite descente. Je pense que ça peut être pas mal. Après, c'est si on a les effectifs pour, sinon, on se calera sur votre Croix Orange. De toute façon, aussi, on a un BE anti-gon. Ouais, ça roule. On veut bien les 10-20, s'il vous plaît. Et 59 direction nord. Et dernier visuel établi en 59. Et désolé, petite exception de voix. Ouais, pas de soucis. Je disais quoi déjà? Oui. Mais de toute façon, côté BE anti-gang, on va essayer de scaler pour vous quadriller tout ça et que vous soyez juste focus du coup sur la zone en elle-même. 10-4 d'entrée. En dehors de ça, moi je pense que c'est tout bon. Moi, quoi, il y a des trucs de l'autre côté à redire. Bah non, c'est carré. C'est carré, il n'y a plus qu'à attendre le Rebla que vous avez aperçu, il était tout seul ou il y avait d'autres véhicules aux alentours l'armement, on connaît un peu ce qu'ils ont, les brokers, comme armement. Je regarde un peu leur dossier. Brokers, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Il roulait tout seul. Essentiellement de la 4-2. Mais il y a un monde où il y a peut-être un mitrailleur qui serait chez eux. Et que les épisodes là qu'on avait eu l'autre con soupçonnent qu'ils en aient au moins. Mais je pense pas que ça sera les plus... Ok, ça marche. Putain.
Tant mieux si l'OP vous vaut en tout cas. Ouais, non, mais c'est carré. C'est bien préparé. Et moi, je suis faire ce carré. J'ai dû faire ça en urgence depuis hier soir avec le coup d'éclat qu'on a eu là. Ah oui. Ouais, c'est propre. Hein, c'est propre. Ok, 4, bon bah nickel. Et bah écoutez, on se cale ça dès que tout le monde est dispo. Ouais, bah là faut que je joue avec l'Antigang, qu'on valide ça avec eux, on se trouve une date commune, et il faut ensuite que je valide avec le M, et puis ensuite c'est parti quoi. Allez, ça roule. Et bah ça marche. A plus tard. Et bah merci. J'ai entendu 04. C'est parfait, on va le faire chier dès les prises de service. Bon, voilà, ça c'est fait. Putain, on n'est pas beaucoup ce soir là. J'ai pas le dispatch. Ah oui, on n'est pas tant que ça. J'ai déjà fini votre réunion. Si, on est 20, on est annoncé. En... Oh, wow, ça... C'est rapide. Hein. Après, ça va, il y a 4 Adam. Une vie. J'ai vu que le plan était déjà fait, c'est déjà ça de moins à faire. Ah oui, il a tout préparé bien. On est 24. Non, on n'est pas 24. Il y en a qui n'ont pas rendu leur service. Non, 88, elle est pas là. 95, il est pas là. Pas là. 33, il est pas là. Je crois que c'est encore Molly qui fait de la merde. Non, c'est juste les agents qui font de la merde. 95, il avait eu un mal de tête et. Désolé, il n'y a pas d'aide. Et je suis level 20, Tartine, hein. Et non, je pense que le reste, c'est des oublis de pause de service. Ok. Mais non. Bah, si, level 20. 25, ça m'étonnerait pas parce que lui, c'est quasiment tout le temps. T'as dû bien spam le jeu. Bah, pas tant que ça, en vrai. Hier, j'ai joué 2 heures. Et là, j'ai fait du 14 heures. Et 88, c'est depuis. 16 heures, je crois, et level 20. Aussi. Voilà. Il y a Adam 24. Attends, je pense que je peux le voir sur ma page Steam. Combien d'heures j'ai Adam 11 ou Adam 4h7. Votre dernier call sur les multiples véhicules, s'il vous plaît. On a 7 avions morts maths qui sont sortis de la zone. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas répondu. Juste. Bah ouais, j'ai joué un peu cet après-midi du coup. Centrale, vous pouvez répéter? Ouais, j'avoue que là on a un peu rush comme des totos. On a rush et puis hop. On a fait de l'oseille et puis voilà. Il a demandé de répéter le pauvre, putain. Ouais. Non mais ils sont... Je sais pas ce qu'ils ont mais ça va pas matcher. Il faudrait que j'arrive à faire un truc. Il faudrait que j'arrive à sympathiser. Alors ça va pas aller avec ma phrase mais il va falloir sympathiser avec tout le commissariat. Parce que le jour où le commissariat n'en peut plus de la direction, il faut bien qu'ils suivent quelqu'un, tu vois. Ah mais ça a déjà commencé, il y en a déjà plein qui se plaignent de 45. Ouais. Et les agents qui se font tirer dessus, 45 qui leur interdit de répondre. Puis c'est pareil, la dernière fois, en radio, hein, il y a quelqu'un qui annonce qu'il se fait tirer dessus, tu vois. Il annonce qu'il se fait tirer dessus, ils sont en voiture, ils se font tirer dessus. En radio, on leur demande, de la part de 45, on leur demande, vous faites tirer dessus ou c'est la voiture qui a impacté? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait? Ah oui, on va pas attendre de se faire tirer dessus physiquement avant de riposter quoi, enfin, en fait, ça tire. Ah mais pour 45 si. Faut que t'arrives à faire la différence entre des tirs de pneus, tirs sur la voiture et des tirs sur toi. Bah moi je pars du principe que techniquement si le mec te tire dessus, tu sais pas où est-ce qu'il va tirer. Peut-être qu'il tire dans les pneus parce qu'il s'est pas visé, hein. Bah ouais, peut-être qu'il essaie de te tuer en fait. Puis même il y a les règles du PPA en fait qu'il faut qu'on applique. Alors certes, les crimes ils l'ont pas, mais après faut partir du principe que nul n'est censé ignorer la loi.
Et dans le PPA, bah, du moment que tu m'en joues quelqu'un, ça veut dire que tu veux atteindre à sa vie. De fou. Donc légitime défense du moment que t'es pointé. Oh, mais c'est moi c'est comme cool. Ça que je le vois. Je reviens, je vais sortir une vire vite fait pour les jeunes. Ouais, ça marche. Oh mais il y a des trucs qui me, tu vois, qui m'exaspèrent. Plus je parle avec eux, moins je peux, moins je les supporte. Et de 11 pour information, les Aiglons et les Brokers sont ils ont juste l'air d'être en balade, tout va bien. Et ils se quittent. On a trouvé la blague. J'ai pas besoin d'avoir un suivi des véhicules des criminels. Voilà, mais il est tendu lui là. Il est très tendu. Eh bien pris. Aïe aïe. Et Adam 24 devient Vire 24. Ils vont finir à faire comme ça, ils vont finir à ce que les agents parlent même plus en radio. Et puis ça va être vite du. Ouais, ils vont plus rien annoncer, ils vont plus annoncer aucun véhicule dans le doute. Et après on va dire non, mais vous auriez pu prévenir qu'il y avait un convoi, je sais pas quoi ici. Voilà. Et là, dans 20 minutes, on apprend qu'il y a une unité qui a été kidnappée et torturée, que personne n'a... par des aiglons noirs, oui, justement. Mais comme on fait pas la progression des véhicules crimis, bah voilà, on s'en bat les couilles. Oh, je vous jure, putain, faut vraiment que je prenne des vacances, moi. Et Adam 24 qui est à terre au bout. Et disquette. Certains trucs, je comprends pas. Me laisse faire. Ils se casseront la gueule tout seul. De toute façon, c'est simple. Hein. Il faut qu'ils fassent des erreurs pour s'en rendre compte, tu vois. Et le problème, c'est que dans le M, il n'y a que moi qui gueule pour le moment. Parce qu'il n'y a que moi. Donc forcément. C'est normal que c'est pour ça que je suis un peu la tête de turc aussi, hein. C'est que bah, dès qu'il y a un truc qui va pas, je gueule, et sachant que la seule unité représentée dans les VM c'est le SWAT, bah c'est bien plus facile de taper sur le seul lieutenant, tu vois. C'est normal, hein, c'est normal, c'est comme ça, hein. Mais dès qu'il y aura d'autres unités dans l'enceinte, dans le VM, la dernière supérette c'est une moto devant, bah, ça sera ce sera un peu plus tranquille pour moi, quoi, on va dire. Ouais, t'apprends un peu sur tout le monde. Bah ouais, parce que là, bah en fait, là, il n'y a que moi. Et en fait, je suis le lien direct avec eux, quoi. Donc forcément, là, vu qu'ils sont tendus comme un string et qu'ils ont mal au cul, bah forcément, sur qui ils tapent, bah, sur ma gueule. Toujours devant la supérette. Ouais. Ce sont les personnes enlevées par les lions noirs. Bonjour, on est dans des lions noirs, on est enlevés. Deux unités disponibles pour aller voir sur le dernier appel. À 10-4 à 1081. Et de vire en filet auto, vous raccroche. Et de vire 24, on termine au lieu, on raccroche. Enfin, je sais pas, bref. Passons. Une unité peut se mettre en 79 et une autre en 60-79 pour voir s'il y a du passage. T'en sors avec ton plan? Ouais. De 29, on se prend vers grand, 79 hein. En bas là. Ah bah ouais.
C'est grand et puis oui. Ah, puis il y a des salles et des couloirs et tout dans tous les sens. Oui, il y a l'air d'y avoir beaucoup de salles. Ouais. Ils ont une cafétéria hyper classe par contre. Et oui, ils ont une cafétéria, une pharmacie. C'est limite un centre commercial, les EMS. Hein. Je fais un truc à peu près. Hein, 98, 18. Je demande pas du grand art. Hein. Vire 72, reprise de patrouille. Visuel sur le véhicule. 29, 10, 10 pour l'instant. Mieux qu'on se tienne prêt si jamais ils ont besoin d'un. Ah, moi j'ai juste à récupérer les vrais, je crois que j'ai déjà même mon gilet. Sincèrement, j'ai même pas envie. Ce soir, je vous le dis, j'ai pas envie. Ah ouais, c'est pour là. Moi j'ai quoi, j'ai mon gilet. En vrai, y'en a pas tellement, bistouille, et ça prend vite. C'est pas le plus chiant. Une arme si on doit partir en soi. Bah, de toute façon, oui, mais nous aussi, quoi. Enfin, on doit pas se prendre. Une 4-3 si jamais, mais bon c'est en bas quoi. Yes. C'est pas 72, on se rend près du vignoble. Du coup c'est programmé ce soir. On a un non, visuel. Non, c'est pas pour ça. Ah, 10-10. Et Adam 24-4-4. On essaiera de fixer une date pour coordonner les trois unités. On a un convoi de 4 véhicules noirs qui se dirigent vers l'ancien Autos. Dis-moi du NES des Lyon. Ignorez s'il vous plaît. Par contre, du coup, je vais vous demander s'il vous plaît de vous placer à des points stratégiques que je vais vous donner. Je veux donc Adam 81, vous passez de point Y à la station 56, s'il vous plaît. 1-10-4. Je veux la dame 11 au point 50-19 au croisement Milton Road, Mount Vinewood Drive. Le prochain sous le Sisyphus. Je veux la dame 43, s'il vous plaît, située sur la route du 50-26, le Sisyphus Théâtre. Bien joué. Bien joué. Ouais. Est-ce qu'il va gueuler 45. La vire 24, s'il vous plaît, j'aimerais vous avoir aux alentours du point A, proche du Vinewood Bowl, vous couvrez les routes qui mènent à la Fuente. Ce truc. H4. Bah, c'est bien, il a une bonne vision. De 21 pour information, je prends la ligne de CTOP avec 66, enfin supervisé par 66. Donc, ah, pas du nickel tout. Ça. Ouais, on a compris, merci. Bien, oh, mais vas-y, frère, il casse les couilles avec ses réflexions à la con. Pour aller, hein. Vous patrouillerez du coup entre tous ces points sur une ligne horizontale. Vous essayez de patrouiller depuis le point U jusqu'au point A de manière régulière. Merci. Il trouve toujours un truc pour aller sur sa caméra. Yes. C'est fou ça. Et disquette, merci. Vire 72 de centrale, bien pris. Disquette. Merci beaucoup. Des fois, je regrette de l'avoir push en sergent. Ah ouais. Je regrette pas de l'avoir freiné tout au long de sa carrière quand j'étais lieutenant.
façon, enfin, manger son pain noir quelque temps. Là, hein. Le seul truc qui pourrait nous sauver, c'est l'arrivée d'un procureur très rapidement. Procureur, gouvernement, tout ça, tout ça. J'ai entendu des rumeurs comme quoi 33, il voulait se présenter en procureur. Ah, possible. Et si c'est le cas, bah on aura un moyen d'appui en fait. Parce que pour le moment, qui c'est qui casse le cul au commandant et au capitaine? Bah personne, tu vois, parce qu'il y a personne au-dessus, donc forcément c'est compliqué. Par contre, si tout un commissariat se retourne sur le fait qu'ils peuvent plus supporter ces réflexions à la con, etc. Bah là, ça va changer de disque, tu vois. Après, si au bout d'un moment, ça arrive vraiment au point de non-retour où tout le monde pète un câble, il y a toujours dossier de destitution. Ah oui? Ah bon? Je suis même pas courant de ça. Bah, je sais qu'il y avait un dossier qui avait été mis en place pour... s'il vous plaît. Bah, qui commençait à être mis en place pour le TOS, quoi. Il nous cassait les couilles il y a quelques mois. Oui, ça se parle. Il y avait eu un dossier de destitution pour monsieur... Six balises. On va prendre le quartier de l'Ost. Devant le quartier de l'Ost. De Bonne 29, on va se rapprocher. C'est bon, j'ai... Wesh alors. Et d'Adamon, on a une vision sur le lac vert. Se dirige nord 50. Non, je crois qu'il y a. Attends, et je regarde rapidement, mais je crois qu'il y a 13 qui s'en occupaient. 50-19. Adam 11, vous intervenez, vous attendez un 10-24 s'il vous plaît. L'unité la plus proche. Celle en 50-16. Ouais, c'est bon, il y a. Adam 80, vous arrivez à rejoindre 50-19. Je regarde sur la plainte, elle l'a déjà convoquée hier et elle a mis plein d'infos. Il y a un deuxième véhicule qui est arrivé sur zone. Merci, à plus tard. On a des brokers avec des individuataires en 72-99, on aura besoin de 18 s'il vous plaît. Le Novak Vert repart. Pour les Lost, on va passer secondaire plus 1. Merci, ouais, quoi, il a dit pour rejoindre au plus vite le 50-19. Pour l'affaire des Lost. Ouais, mais oui, putain, il y a deux trucs en même temps. En cours d'arrivage. On va y aller, les gars. Ça nous pointe au 9 mm, donc s'il vous plaît d'arriver au plus vite. Répétez, 50-19. Au nord de 50-19. Et bien 24, on arrive en 50-19. Ça nous bloque actuellement la route, on peut pas suivre le réblageur. Vir 72 en route pour 50-19. Et disquette à tous. Vous mettez vos GPB s'il vous plaît, sécurité avant tout, on prend pas de risque. Hein. De Banan, on s'approche de 50-19 pour checker le secteur. On monte au nord en 5002. Mais tu te changeras. Le véhicule qui nous a rejoint, qui a rejoint l'histoire, a nous ralenti, donc on n'a pas pu suivre le Rebla vert. On va continuer sur le véhicule jaune, hein, une muscle jaune. Individu armé, donc aux unités de merci de venir et on va essayer d'interpeller. Tango 07, on arrive. Vous mettez à jour. Hein. Adam 11 et 81, si vous pouvez rester en effet sur le véhicule jaune. J'aimerais une des deux vires, s'il vous plaît, qui essaye de retrouver le Rebla vers les vignobles. Le véhicule jaune se dirige en 5-4. Disquette. Je me dispatch. Allez, mettez votre gilet aussi. Hein. Ah, c'est fait. Yes. Attends, j'ai posé le gilet SWAT, j'arrive pas à prendre l'SPT, merde. Attends, descends pas. On redescend suite 5001. Vas-y, fonce. Arrive. Le véhicule jaune, il est où? Sud 5001. Ça écoute pas le coup. Arrive en 5022. Non, ça écoute que dalle, hein. C'est infligeant. Ego. Décrivez véhicule, c'est quoi? C'est une muscle, c'est quoi? Même ça a déjà été dit. On passe à côté du théâtre, 5026. Disquette, continuez les 10-20 s'il vous plaît, merci.
On descend toujours sud. GPS. Une seule unité avec nous pour le véhicule non. jaune. Bah, les autres unités, j'aimerais que vous ratissiez au niveau du 5019 nord. Allez, mettez 5019 là, mais je pense à rousser. Pardon, on passe 1073. Eh bonne à 29-17. Eh, Tango 68 formé de 68-07-23, on arrivera à l'effort. Où ça 10-4. Sur 59. Tango 68, je vous mets quand même sur la muscle jaune avec Adam 11. 10-4. On va bah, écouter où est-ce qu'ils sont, parce que j'ai perdu le temps. Tu es 11. On est toujours en Sunny 82, l'individu a fait demi-tour et... De Bana, on est à côté de vous, 21. J'ai pas entendu son zéro. 1082. Et dans les villas. À gauche de Vainwood. On est loin. Hein. 900 mètres, on est là. Putain, c'est l'autre côté. Droite. Ça parle plus, ça craint. Après, ils sont deux Adam dessus. Normalement, oui. Centrale pour Adam 43, quelle autre unité avec vous ? Ils étaient là au dernier zip. Ils sont là. Centrale à 90. Et Tango 68, Platter en 60-82. Eh bien pris. Vous m'avez compté avec quoi alors? Mais vous avez rien compté du tout. Ah si, vous avez fait un geste vers moi en tout cas. Mais il fait aucun geste. Vous avez fait un geste vers moi. Et vous sera la Adam 86 très. Ou alors vous glissez très fort. Et il sait rien, mais de mon point de vue, il fait aucun geste. Il y a aucune raison, vous voyez, du coup tout à l'heure, je vous tranquillement et... Ayez-vous que vous me suivez, au bout d'un moment il m'arrête et il sait pas pourquoi. Alors pourquoi nous avoir bloqué la route, monsieur? Ayez pas bloqué la route, j'ai si fait demi-tour. Vous avez bloqué la route. Et il y a mon ami qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il avait eu un accident. Il sécurisait la route et okay, il vous êtes sur l'autre intervention en 72-99. Parce juste qu'il allait mieux, il m'a dit qu'il allait mieux, il est reparti. C'est tout. Et il a rien fait de plus. Il suis même pas descendu de ma cochée. Donc, il sait pas pourquoi vous me suivez. Attends, 19 aux procédures. Vous avez beaucoup d'amis avec des véhicules verts. Et. Peu importe la voiture, c'est pas comme ça qu'il choisit mes amis. On sait jamais, hein, vu les couleurs que vous avez. Et si, mais il aime bien le jeune, mais. Répétez matricule dans les couleurs. Et quel rapport le fait qu'il y ait une voiture verte? Et si, tout peu. Mais il sait pas ce qu'est ce que tout le monde en fait. Et il comprend pas. Et bien, il n'en sait rien avec vous. Il m'attend à tout. Hier, vous m'avez embarqué pour rien. Et là, je me dis que vous me voulez encore quelque chose et il ne sait pas quoi. Si. C'est ça, très fort. Et si. Si, gracias. Et une bonne journée. Et Tango 68, code 4. Et disquette. Pour les unités qui ratissent au nord de 5019, c'en est où? De 29 RS dans le secteur. Ils sont déjà partis dans le nord. 72, on n'a rien vu. Bah là, clairement.
Est-ce que vous êtes monté jusqu'au 5007 et aux alentours de Vignoble? 10h24, c'est on a rien trouvé. Vous pouvez me relire le message d'entreprise qui parle de la route 68 si on l'a toujours. Pour Adam 11, du coup, vous avez fait un 10-26 sur la même ou pas? Non, on l'a plus. Non. Ça a été sûr. Adam 11, 10-4. Putain. 10-4 et. Si, moi je l'ai encore. Ah. Départ d'un GoPass dans le sud de la ville, un Rebla GTS rouge caméléon bloqué main match. Il semblerait que tu se diriges vers la route 68 après le vignoble. Ah, c'était Mindmart. Ah, c'est pas grave, ça c'est allemand. Ah, donc, ouais, je sais pas, moi je dis Mindmatch. Hein. Vire 72, pied à terre en 72-07. Et 10-4. Tango 88, direction 8. À 88, elle passe sa meilleure soirée. Elle a l'air bien morte fait. Super de rire sur la radio. Oh, un salaire. Ça faisait longtemps. Centrale pour Adam 09 qui traite. Toujours au vu, on va pas. Le TS. Ouais, toi. Là, le suivant, t'es à tout strepsil. Fais gaffe, ça. Ah, je crois que ça du Nord, il fait mal à la tête. Hein, c'est ah, ouais, non, ça... c'est contagieux. Moi, ça va. Fais gaffe. Hein. Vraiment sur la limite de notre truc. Hein. Je sais même pas si c'est encore à nous ici. Et centrale à tous, fin de recherche, s'il vous plaît, sur le GoFast pour l'instant. Reprenez les interventions classiques. Merci. Et dans 68, code 4. 10-4, pardon. Bah, code 4 en même temps. Yes. Oui, c'est vrai qu'on reprend ça. Oh, on a une carte de juridiction exacte. Non. Genre Palmer Station, on sait jamais si c'est dans notre juridiction par exemple. Je pars du principe que route 68 c'est la limite, mais à qui elle appartient, je sais pas. Bah moi. Yes. Ah ouais, la route 68. Ouais, j'avais pas pensé, effectivement. Du coup c'est bon, c'est encore notre juridiction. Du coup t'es où 68, t'es dans le nord ou t'es dans le sud? Je suis partout. Bien vu. Ah ouais. Allez, je suis partout, hein. Dans les villes, dans les campagnes. C'est pour pas acheter de la poudre de perlimpinpin. Ouais. Emprunter les toilettes d'op. Ça marche. Yeah, ça marche. J'arrive, je ferme la voiture quand même, au cas où. Yeah. Descendez, au pire, je file là quelqu'un. N'importe, on s'en fout, de toute façon, c'est juste vraiment au cas où. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon. Parfait, j'arrive.
J'arrive, chat. Vire 72, 10, 19. 10, 4. Et vire 24, 1 km 3 du dernier braquage de magasin. Et disquette. Et d'Adam 09, code 4, 10, 19. Et disquette à tous. Et vire 24, 10-31 engagé sur une jetée rouge en direction du sud, point V. Allez. C'est vrai que c'est différent, tu vois. Vire 72, pied à terre au PDP. Putain, moi, les FDI, j'en ai pas grand-chose à foutre. Ah oui. C'est quoi ? Les FDI, les Français de l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ceux qui habitent entre l'Alsace et la Bretagne. Nickel. Et deux. Ah, d'accord. La 11, elle est morte. Yeah. Elle a fait une rupture d'anévrisme. Elle est centrale à toutes les unités. Mettez votre dispatch à jour une fois que je sois un petit peu à jour. Merci beaucoup. Mettez la dispatch à jour, s'il vous plaît, comme ça, j'ai pas besoin de faire mon travail. Je traduis. Ouais, bah bon, après, je lui dis rien parce qu'il le prend tous les soirs. Hein. En ce moment, il fait centrale à jour 24, 66. Hein. C'est vrai. Ah, 68, 66, il mérite sa promo. Clairement. Il s'investit, toutes les remarques qu'on lui a fait par rapport à son comportement, il en prend compte, il agit en conséquence. Il s'investit, il est là très souvent. Je supporte plus. Ah oui. Ah, j'ai passé une soirée avec lui, c'est bon, ça m'a vacciné pendant un an. Hein. Ah ouais. Ça fait, il a twerké sur vous. Non, il est spécial, mais c'est pas mauvais bout. Alors, hein. Qu'est-ce qu'on a ? Les Rebla peut-être ? Non. Un Rebla. Vers l'ouest. Noir. Mais c'est. Vers l'ouest de Sandwich. Ouais, mais bon, c'est pas notre juridiction. Non, faut qu'on essaie de les choper avant. Attends, je vais voir avec 32. À mon avis, ils vont prendre la petite route. Par rapport au dernier message entreprise, ils annoncent Sandy Shore. On est d'accord qu'on n'y va pas, hein. Parce que là, du coup. Sandy Shore, en théorie, c'est la juridiction des shérifs. Et j'ai pas l'occasion de les contacter plus que ça. Après, au niveau du quartier des Maragoutas, ça tire actuellement. On a eu 3 coups. Ouais, ok. Si ça part en course-poursuite dans le nord, on fait quoi ? On lâche ? Ou pas ? En théorie, oui, on est censé lâcher, hein. C'est pas notre juridiction. Ouais. Hein. Allez, ok. Non, mais ouais. C'est juste pour savoir un peu, pour éviter de. J'avoue, sachant qu'ils sont à 24 sous la bière. On est d'accord. On est d'accord. Ok, bah c'était juste pour confirmer. Ah, bah bien sûr, ouais, on est d'accord. Allez, ça roule. Merci. Ça roule. Tango 68, vous souhaitez vous rendre au quartier Maragoutas Ça a tiré où là? J'ai pas compris. 68 Maragoutas. On va se rendre vers Assistance Road, donc on va par là. Ça a tiré chez Maragoutas.
on s'en fout de ça. Yes. Mais bon, vu que le GoFast il a démarré juste à côté au champ de pétrole. Ah, il a démarré champ de pétrole. Putain. Ouais. Donc peut-être c'est un lien. Et Adam, on est à 4 km de ça. J'ai mis le point sur la substance érode. Et de 07, je récapitule juste entre parenthèses, on n'intervient pas sur les la juridiction shérif. Et 14, on reste en dessous de son différent. En dessous de la route 68. Quartier Marat, par où ils peuvent arriver? Substantiel. Quartier là, Marat, là où je te mets le point. Il est là. Ah putain, mais on est pas du tout. Vas-y. Pour moi, dans la logique, c'est par champ de pétrole et passe par substantiel. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Complètement teubé. Centrale pour Adam 11, Adam 11, on est positionné en 4010. On va se mettre à la station essence, hein. Écoute. C'est quoi qu'on cherche, un Rebla, hein? Ouais. Yeah. Réblage GTS caméléon rouge. Ok, vous checkez sur la route de gauche. Yes. 10-10 à la Monze, j'ai besoin que vous patrouillez sur une région qui est en notre juridiction. Et si on a un visu, dans ce cas on sera autorisé à suivre éventuellement plus loin, mais pour l'instant il faut qu'on le ait un visu avant. Ah bon, j'aimerais bien savoir de. J'aimerais bien savoir qui c'est qui lui a donné son ordre là d'autoriser à suivre. Et de la Monze. On redescend au niveau de la fatigue, Bretta. Je sais pas. Et 10-4, merci beaucoup. Oui, 07. Ouais, qui c'est qui vous a donné l'autorisation de laisser poursuivre si jamais ça part dans le nord? C'est le commandant. Ah, ok, parce que je viens de l'avoir au téléphone il y a deux secondes, il m'a dit l'inverse. Il m'a dit si ça part de chez nous et tout machin. Oui, si ça part de chez nous, que ça nous tire dessus, on suit. Ouais, ouais, mais alors oui, c'est oui. Pas ce que vous avez annoncé en radio, hein, attention. Et 32 radio. On choque déjà un visu chez nous, puis on verra la suite. Ah ouais, ouais, non mais attention, c'est différent, et parce qu'après, les juridictions, c'est bien particulier. Si on suit alors qu'ils nous ont rien fait, etc., ça va être compliqué de le justifier. Ouais, okay. Voilà. Mais au pire, ils annonceront quand ils suivront, et si ça dépasse, ils l'annonceront aussi. Exactement, ok. Ah putain. Je suis ça de près, 07. Merci beaucoup. Vous êtes où, du coup, vous? Merde, putain, je vais raccrocher à la gueule. Ouais, désolé, votre titre. Comment ça m'a fait un bien fou de vous raccrocher à la gueule? Oh, vous imaginez même pas. Ben, on est sur la route 15, entre le jaune et le bleu. Entre le jaune et bleu, ok, 10-4, merci. Ouais, je vous en prie. Ouais, je pense pas qu'ils vont prendre la... Si, tu crois qu'ils vont prendre cette route là? Ouais, je pense qu'ils prendraient plutôt sur le, où il y a le l'Oil Station, le Palmer. Ah mais ils sont obligés de passer par là quoi en haut. Ah oui. Dans tous les cas. Ouais. Si je veux le monter, ou alors ils sont passés par ailleurs. Ou alors ils sont passés par le point B pour remonter au vert. Ouais, et passer ou à alors Palmer. Même 60-73. C'est quoi cette voiture qui vient de passer, okay. Ou alors par les chemins de terre, ouais. 73-56 et ils ressortent et ils vont à Palmer après. Ouais, je sais pas. Je sais pas, ouais. Là, ça aurait été pas mal, je pense, d'avoir un élu, quoi. J'avoue. Mais bon.
Et un insurgent. Mais vraiment lui? L'Amster 8, c'est 23 sur une Chester Bordeaux. Et 31 engagé. Ouais, il dit s'il est parti avec l'hélico. S08 1019 demandé pour redispatch s'il vous plaît, merci. Encore? Pour. Vas-y, elle va me faire chier là. Vas-y, mais passe là. Putain. Les gens, ils veulent pas nous dépasser, hein. Ah, ils passeront jamais par là, c'est impossible. Ils passeront jamais par là, c'est impossible. Non, en plus, je pense qu'ils seraient déjà passés s'ils passaient par là. Il y a moyen. Moi, je pense en vrai qu'avec une grosse cargaison, je serais passé par le barrage. Centrale pour Dame 81, Citrep. Du coup, elle serait passée par El Rancho Boulevard et remontée par le barrage. Yes. Eh bien pris. El Rancho, Mirror, barrage. Après, il passe par le chemin de terre. Il ressort à Palmer. Et après, à Palmer, il va à son grapside. Yeah. Il y a moyen. Y'a moyen. Ouais, on va bouger de là, ça sert à rien. Centrale, répétez dernier call s'il vous plaît. Donc au 88, nous serons sur Madame Canyon, la super. Eh bien pris. Et de demande 19. Et disquette. C'est la première personne que j'entends dire qu'on se rend sur Banham Canyon et pas sur 56. Mais si tu veux aller au Canyon des Bananes, il y a le droit. Hein. C'est vrai. Qui sommes-nous pour juger? Il est en gros 68, ouais, je pense qu'il le faisait pop RS sur les autoroutes du Nord.
08 et 43, devient Adam 43, 4. Et de Adam 43, on prend la dernière surface. 10-4. Et Vire 24, 30 est engagé sur deux véhicules très rapides en 93-92 direction sud. 10-20, Adam 43, 10-23, geste rouge et noir, chargé une fois, ça part en 10-31. Et disquette à tous. Et Vire 24, c'est à terre. En 93-90. Pied à terre ou 10-26? 10-26 pour la Pierre 24. 10-4, merci. Adam 43, vous avez besoin d'un renfort? Madame 43, vous avez besoin d'un renfort? 10-4, oui. Ça va faire 10 ans. Ah bon, merci beaucoup pour ton 7e mois, merci, bienvenue à toi. Calme-toi le chat. La Tango 16, Citroën 7. On peut se faire attaquer par un Jaguar. Un qu'il essaye. Le tirer de souffleur, il va être cuit. J'écoute. Et Vire 24, code 4. J'ai appelé Tango 16. Tango 16, il s'en fout. Tango 16, il est décédé. Ah là, il est décédé bien fort. Il paraît même qu'il est décédé. Oh, ça lui va pitié. Je sais même plus où aller. Sincèrement, je vais me mettre là. On sera bien là. Voilà. Oui, voilà, au milieu des wapiti. Voilà. Comme par hasard, il va y avoir une CP qui va nous tomber dessus. On va se faire spotter qu'on fait rien, putain. Voilà. C'est beau barrage, les collègues. C'est beau barrage. Des as du volant. On peut toujours filouter, on dira qu'on est sur une intervention top secret. Bah non, on est en planque parce que on attend de voir si on croise des véhicules. Voilà, point. Il a qu'à faire des 10-20 s'il veut un 10-24. Hein.
Pour 84, apparemment, il pourra pas. Ça va être compliqué pour lui. De se lever. Là, il est un peu malade, il est en manque de. Comment dire ça? De calcium. De fibres alimentaires. Ouais. Madame 43, 10-50, ouais. Du véhicule et 10-26. Et 10-4. Et Madame 43, 72-50. C'est dur de prendre des Oméga 4G. Et une 32 autour radio. Ah bah écoute, t'as l'air plus calé que moi, je te laisserai lui donner des conseils. Et doucement le taxi là. Rouler comme un con. Après on n'est plus en ville, il y a le droit à 110 je crois ici. Ah non bah non, pas sur des petites routes en pleine ville. Ah ouais bah non. Dans la tête d'un nouvel appel d'urgence, vous pouvez reprendre tous vos patrouilles standards. Les 024, on a repris le visuel sur la moto en course-poursuite en 71-28, direction sud, 10-10, direction est, puis direction nord. Ah oui, c'était long ça. Et disquette à toutes les directions. À quoi? À toutes les directions. À toutes les directions. Et dernier visuel au niveau de la banque en 71-93 pour la moto. On l'a retrouvé aussi. Aïe, okay. Oh yeah, c'est ça. Va être négatif, on l'a pas retrouvé. En fait, non, on l'a perdu. Non, mais et c'est quoi là? On a on avec le cirque Pimbert là. On va récupérer 09, on partira en tango. Oh les campeurs, de ouf de Kings. Ah, de ouf. Jure, j'ai planté une tente là. Petite musique là. Ta 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 ta. Et puis on attend. On attend, mais bon. Ça fait chier. Yo Mika, merci beaucoup pour ton 10e mois, merci, bienvenue à toi. Mais bon, on a l'ordre de bouger. On l'a plus. Allez. Hein? De quoi? Au 98, perte de la BF400, 71-35 et code 4. Il retrouve le véhicule, casse. Il le reperde. Ouais, bah écoute. Hein. Yeah. Mais bon, on l'est pas. Hein. Et 10-4, pensez à annoncer dès que vous perdez de visu. Hein. Bah vas-y, dis-le si laissez la route à ta mère, toi. Hein. Ah oui, je voulais faire un petit test pour le. J'espère que tu as aimé ça. Pour le test SWAT, le passage, le test que moi je fais passer. Il nous en reste plus qu'une. J'ai essayé un truc, dites-moi si c'est. Enfin, toi du coup 07 vu que tu sais mieux. Dis-moi si c'est de meilleure qualité. Vas-y. Blanc 1 civil. Blanc 4 menaces. Ah ouais, c'est mieux. Blanc 2 menaces. C'est mieux. On entend mieux les cibles, les couleurs et. Et bonheur repris le numéro. C'est plus fort, j'ai l'impression. En volume, c'est bon ou faut que je baisse? Ouais, parfait. Non, parfait. Ok. Nickel. Là, j'essaie de bidouiller un truc pour que ça aille un peu mieux. Tango 68, Citrep. Code 4, Sud PDP, Vanuatu. 10-4. Il était ici, l'appel des docs. Tout à l'heure, non? L'appel des docks, c'est non, devant c'était... le... Bah si, c'était là, devant les Lost. C'était au bar. Ouais, juste au-dessus. Là, plus loin, il y a... 72-99, un peu au nord. Ouais, c'était juste derrière.
Devant. Ah c'est ça. Ah non, derrière, regarde, j'ai mis la pause. Ah mais peut-être qu'ils sont arrêtés ici vu pour attendre la sécurisation, je sais pas. Ils ont dit devant le bar là, c'est au-dessus. Je crois. C'est l'air sûr. Ah oui. Sud de la ville de Novak multicolore avec un coffre d'auto, il semblerait qu'il se dirige vers la route 68, éviter après le Vinwall pour éviter le... 24, nouveau message d'entreprise. Allez, on les chope maintenant. Et tant que 68, on va se rapprocher du vignoble. Meilleure route pour aller au vignoble, c'est quoi? Bah c'est la route 56. 56, ça peut être pas mal, ouais. On se met un peu au-dessus, au moins on prend la route 50-18 aussi. Non, mais il faut les toper un peu avant. Et il faut surtout qu'on fasse un plein. De Adam 43, 19 avec un individu et son véhicule. On peut faire un plein... 10-4. Ouais, on va le faire vite fait. À Cougar Avenue. Adam 11, j'ai besoin que vous vous placiez s'il vous plaît proche du point A vers Señora Road qui mène à la Fuente Blanca. Et de vire 24, on est en 56. On s'est fait niquer la pause. Adam 80, dès que vous sortez des EMS, j'ai besoin de vous avoir en 50-19. À mon avis, pour passer par 59, 5002. Et 267. Ça part du sud de la ville. Et bonjour 67. Ça part du sud de la ville et ça va. Vignoble. Vignoble. Ça passe. Vous pouvez mettre 56. La pause du vignoble. Ouais. Là. C'est là. Ouais, parfait, nickel. Ok, Adam 11, patrouillez entre 50-26, le théâtre et le point A, s'il vous plaît. Vous faites des... On va prier, hein. Je crois qu'on peut aussi passer par ici, là. Tango 68, vous, vous restez près des vignobles. Ouais, une souille. Là, discrète, on va s'en aller s'y diriger. Vir 24, vous patrouillez entre 56 et 59, s'il vous plaît. Et Nishkan. Tango 98, 19, on va redispatcher. 67 partira avec 98. 4. Allez. Je cherche un Novak, hein, c'est ça. Hein. Yeah, Rebla. Multicolore avec. Un Rebla ou Novak? Non, Novak. Novak? Novak multicolore avec coffre de toit. Ah oui, c'est toi, c'est un Novak.
fait, ma question, c'est est-ce qu'il est déjà passé, tu vois? Il serait allé très vite hein, s'il était déjà passé en vrai. Est-ce que ça mène sur le bout de la rue derrière nous en 50-10? Non. Ça mène en 50. Centrale Adam 43, vous êtes en JAV. 54. Ça va à l'autoroute et à 56. Ouais, mais 56, si elle est plus gardée par la vire, ou s'ils font des allers-retours et que ça passe entre, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Jusqu'à la villa, après on fera demi-tour et puis on retournera vers là où on a creusé la vire. Hey Adam 67, on peut être de 67 et 98 au début de patrouille. Et Adam vire 24 en 50-19, on a un Novakin tricolore. Il est à l'arrêt. 50-19. Très bien, toutes les unités essayent de converger sur 50-19 pour essayer de. C'est où 50-19? C'est le point violet. Ah! Et Adam 67, 10-4, conscient. Allez, merci. Mais il a un truc sur le toit au moins? C'est loin. Je sais pas. Là, il a un coffre de toit sur le toit. 10-4. Et s'il vous plaît, je veux des. Je veux des 10-20 dans la secondaire classique, mais beaucoup là. Et 10-26 de l'individu dans le Novak multicolore en 50-19. Matricule. C'est ce qu'on voulait dire. Matricule pour les 10-26, s'il vous plaît. Et vire 24, on a le Novak multicolore en 50-19. Si, c'était annoncé en plus. Et 10-4, merci beaucoup, bien pris. Unité Tango 68 convergé avec Adam. Oh le motard! Et 10-4, on a 2 kilos. Il va bien. Il est pas tombé. Et du coup, Adam 67, code 2-4. Oh le motard! Il est pas tombé non plus. Non. Et 10-4, merci. Il va bien. Et Adam 11, pied à terre en 50. Ça en mettra 3. Ouais. Eh bien, c'est ça paraît un peu trop. Si facile. Vous voyez que la situation ne requiert pas plus, vous laissez juste l'unité en sécurisation et les autres peuvent reprendre. Hein. Ok. Ça répond pas. On s'est rapproché quand même, hein, mais je sens qu'on va être de trop. Ouais, bon, on verra bien. Hein. En fait, je voulais garder 56 parce que si c'est à l'heure, s'il y a rien. On est full baisé. Ah oui, pour être multicolore, c'est multicolore. On vous laisse gérer, c'est tout bon? Oui, ah bah si, vous ça marche. Il y a un adéquat pour le moment. Très bien, bah je vais ailleurs.
Ouais, bah s'il y a rien, Tango 68, le contrôle est quand même la croche. Eh bien pris. On va faire un plan 56. J'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de fouiller le véhicule. Hein. Yeah. Elle est belle cette ville aussi. Bon, bien qu'elle la foute en vente. C'est de la merde. T'as un truc pour les tops. Ah oui. Pas à bouler. Les tox ou les vieux, je sais plus. Mais c'est un truc de rééducation. Ah, une EHPAD. Ouais, je crois bien. J'avoue, elle a pas l'air d'avoir la même vue que la villa à Million que je vais acheter. Monsieur Mike Morales, rien sur lui, rien dans le véhicule. Alors actuellement elle est habitée, mais elle va être vendue, je me suis arrangé avec les proprios. Elle est en 60-47. T'as une vue du ponton à la plage, tu vois l'aéroport, les champs de pétrole. Est-ce que quelqu'un peut enlever le pistolet et le poser Eh ben je vois pas le pistolet. Attends. Le problème c'est que je peux pas le reposer. Attends, je vais en relou. Essaye de le remettre. Ah non, je peux pas. Ah oui, je vois. Bah, récupère-le et. Viens là. Ok. Ok, voilà. C'est bon. Terrible. Et Adam 67, on se rend sur le dernier braquage supérette, on est à 1 km. Et Adam 11, on se rend aussi sur le dernier braquage, on est à 1 km 4. Adam 80, c'est pas perdu. Adam 11, on se rend sur le dernier braquage. Disquette à tous. Et 10, 23 sur la dernière supérette. Une BF400 noire habitée une fois, ça part en 10-31. Enfin, même mieux, on va se cacher derrière le buisson. Parfait. Pour la dame. Mais invisible. Eh, 10-4, j'attends d'entendre qu'ils me le disent. Eh, ben non, on fait un pied à terre, 61-81. 10-4, raison. Se dégourdir les jambes. Et disquette. Bon, bah il commence à prendre forme ce plan là. Aïe. Au vu de l'activité, non, je pense pas. Et on est plein nord. 78. T'es là demain après, mais je pourrais voir pour te la faire passer si tu veux. On repart nord direction Vinewood. Hop là. Et de rien. On est toujours plein nord 71-72. On a fait demi-tour. On prend sud direction les anciens EMS. Et on a pris ouest sur Airwick Avenue 71-91. On reprend nord sur Vinewood en direction du Tatoueur. Et on a repris ouest 71-26, on tourne en 71-21. On tourne en rond en 71-21 toujours. Et on repart plein ouest 71-26. Toujours plein ouest 71-39. On est derrière. Et 10-4. Ah, ici le 66. Allô. Mon lieutenant, au vu du résultat là de du dernier Go Fast, vous pensez que ça vaut le coup de rempiler là-dessus si jamais il y a encore une alerte ou pas?
Je sais pas, c'est quoi le résultat parce qu'on l'a pas eu nous. Bah le résultat c'est véhicule vide, personne n'a rien sur elle. Moi je pense qu'il y avait deux véhicules et que trois véhicules de police se sont allés sur le seul véhicule qu'il y avait quoi. Mais moi je pense qu'ils étaient deux et qu'il y en a un autre qui s'est barré ailleurs. Ok. Ou alors c'était peut-être l'ouvreuse hein. Ouais c'est possible ouais. Bah okay, ouais. Donc, avoir prochain. Deux unités, c'est bien, trois, c'est beaucoup, je trouve. Ouais, disquette. Ok. Puis de toute façon, s'ils ont besoin de renfort, ils l'annonceront. Hein. Ouais, ok, disquette. Voilà pour tous les jours. Merci, mon lieutenant. Ouais, je vous en prie. Devant le quartier des Lost, l'annonce EMS là, devant le quartier des Lost, c'est où le quartier des Lost? C'est à dans le nord là? Non, c'est le bar en 72-99. En dessous du casino. Hippodrome. Ah ok. Enfin c'est l'ancien bar Lost et là de ce que j'ai compris c'est les SOA qui se sont installés. D'accord. Du coup, les Lost, je crois que c'est eux qui squattent au tequila là. Ah, d'accord. Et centrale, je laisse à disposition la centrale pour qui veut reprendre. Besoin d'unité pour partir en tango ou autre. Voilà, le vide. On est toujours plein nord, 60-73, on se dirige vers le Sisyphus Théâtre. Et de 68, je reprends la centrale. On a pris ouest. Hop, du coup, je te laisse passer devant. On passe en dessous du théâtre. Yes. Yes. Toujours plein ouest. Et toujours plein ouest au croisement. On est derrière. Deux centrales pour Adam 43 Citrep. Centrale pour Adam 43, toujours en GAV. Et disquette, ils sont toujours en GAV avec 90 et 30. Et disquette. Pour 10 et 30, mais ils sont pas en une. Oh, c'est avec 80 et 30 que je voulais dire. Ça arrive où là? Ah putain, ça arrive là. Ils sont deux, c'est bon. Oui. Je suis à la vire. Madame 81, code. On dirait pas au U tant que c'est calme. Et 10-4. Pourquoi t'as faim? Ça va pas tarder. Contrôle pour Adam 17, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup qui veulent le faire. En fait, le problème de la centrale actuellement, pour en avoir parlé avec Serlin, c'est que comme on passe sur un GDoc, le problème c'est que ceux qui jouent avec un seul écran, bah c'est la merde. Du coup, je comprends que eux ils veulent pas la faire, tu vois, c'est normal. Tu vas sur le GTA pour jouer, tu vas pas sur le GTA pour tenir un GDoc. Je l'appelle. Donc, je comprends, moi. Et on est plein. Mais bon, apparemment, ils veulent pas retourner sur un dispatch. Après, tu vas me dire, ça va être la même chose sur. Ça va être la même chose sur Discord, parce qu'ils sont obligés de faire un alt-tab, donc c'est compliqué.
À moins qu'il le fasse papier. Oh, ok, ça marche, pas de soucis. On passe 79, on va passer devant. Si tu viens sur GTA pour faire des notes. Bordel trapeux qui font quel cas la conduite. On aura tout vu. Oui. Et on passe au-dessus des échangeurs, toujours plein ouest. Après, moi, à une époque, j'aimais bien le faire. Hein. Nord sur Coupe j'aimais bien le faire. Mais bon, là, là, j'ai un peu la flemme en ce moment. Il est 31 en cours sur une américaine jaune pendant. Je passe en secondaire plus simple pour les 10 gens. Et t'en veux 23 pièces rouges. Bah, y'en a qui ont de l'argent. Y'en a qui ont de la thune, hein. À vous. Petite révoltaire à 1 million là. C'est le taxi. C'est le taxi, je pense que c'est les taxis. Retourne, reprenez les. Avec 44, alors, 95, 99. Ouais, c'est ça, Ludo, ça change. Il vit là, 1 million là. Dimanche ou lundi. Ouais, tu veux pas garder de l'argent pour investir dans un insurgent, tout hasard. Puis il a pris plein ouest. Pour ça, je peux toujours revendre le car. Ah ouais, il va nous manquer un paquet. Yeah, je sais. Puis plein ouest, Rockford Plaza, il a repris nord derrière le Rockford Plaza. Bon, à mon avis, je pense même si on vient avec il est passé dans qu'il faut, il m'a dit oui. Ah oui. Je lui ai dit, et si je viens avec une mallette à 3 millions 5 là. Il me dit ok. Il me dit par contre, t'allais pas braquer et les banques. Hein. Je fais non, vous inquiétez pas. On l'a encore, il dirige sud en 72-20. J'ai 300 000. Il manque encore un paquet. Et 66 pour Central demande autorisation de formation. Après, si on fait 3,5 millions divisé par 10, ça fait que 350 000. Hein. Chacun. C'est vrai. Tu sais, vu comme ça, c'est pas si énorme que ça. Répète 66. Demande autorisation de formation Marie. Nord. Ah, attends, TPH. Carte de visuel, j'en suis. Vu de l'activité, je suis pas sûr que ce soit le bon. Y'a. Yeah. Ouais, 10-4. Ah, tu veux sortir les marées. Ah, bah, me dire. Oui, non, je sais. Oui, Mathieu, tu me dis de formation Marie. Il y en a, mais ils sont dans les tangos, aux réunions, au poste, ou je sais pas ce qu'ils font. Et après le reste, non. Il y a Dame 43, code 4. Dame 67, 4-4, direction. Ouais, non, pour l'instant, ça va être compliqué. Attends, je réfléchis. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous monopoliser juste 30 secondes, s'il vous plaît? Dites-moi. Je pense que là, le monsieur il est en train de passer commande. Et je pense juste après, mais j'ai une petite soif. Est-ce que vous avez quelque chose avant que je passe commande? Parce que sinon, ça va être une petite galère. Attendez. Un petit café ou autre? Je bois pas de café. C'est votre nom à vous? Moi, je m'appelle Kairon. Pour Adam 11-21, vous ferez un 10-19 pas, déjà vu. Pour récupérer 66. Et 10-4. Je sais pas. Merci. Vous pensez qu'on s'est déjà vu? Et 29, ouais, on s'est déjà vu. 29, Pierre 32-54. Vous chantez pas, non, à tout hasard? C'est quoi votre nom de famille? Kairon Cheeseman, ah ouais, le meilleur bien, des chanteurs. Ouais. C'est ça? Alors, chanteur, je suis pas allé jusqu'à là, mais oui, c'est bien ce qui me semblait. Bah, enchanté. Ouais, vous, c'est pareil. Comment déjà? 07. Oh, vous êtes James Bond? Exactement. Waouh, c'est trop cool. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Et merci bien, pareil. Et ya.
On va dire que 07 et les taxis, c'est pas le grand amour. Et Adam 43, on se rend sur la dernière supérette, ouais, 2 km 8. Ya, ça marche. Non, on a fait pas mal de maris ensemble. Je t'ai appris. Et Tango, Scott 4. Je t'ai appris. Et Adam, Scott 4. Je te laisserai mettre à jour sur le dispatch avec mon passant. Hop, la guillette. Ok. Ah, c'est parti. Et t'en veux 23, 4. Pas mal les couleurs qu'il y a la Mi-11 là. Là pour EM et Cadet. Ouais. Mmh. Yeah. C'est sympa. Avec toute la vague de nouveau, savoir qui est Offin ou qui est Cadet, c'était un peu la merde. Adam 80, et ça rend pas mal service. Ils sont toujours en réunion les deux là. Adam 43 du coup, s'est engagé sur une comète Safari. AB. Et de ce 12, on peut raccrocher. En réunion et au radio, faut pas avoir besoin. 4 secondaire plus 1 pour les colons. Tu vas voir qu'ils vont prendre plein de décisions. Et je vais être au courant de rien. Et ça va être proposé. Enfin, ça va être proposé de façon imposée, tu vas voir. J'en suis sûr. En vrai, vu qu'ils sont en réunion avec 90, je pense qu'ils parlent plutôt de trucs de communication. Ah, avec 90, mais non, 90, il vient de prendre son 17. Ah, bah, ils ont pas mis à jour le dispatch. Normalement, il est plus en service 90 si tu regardes le dispatch. On peut raccrocher à d'autres distances maintenant, s'il vous plaît. On va être à court d'essence. Centrale pour Adam pour le tango, pardon, vous pouvez raccrocher. Tango 11. Tango 11, 10, on est pied à terre, auto. Allez, Scott, mettez à jour votre dispatch, s'il vous plaît. Ok, du coup, faites les 10 devant, on va vous raccrocher 80. Ah, 14, on va passer devant. On va passer devant Night Invader, direction ouest. 72, 10, direction sud. Est-ce que tu vois les points verts? Non. Non, c'est moi qui les ai. 72, 25, sud. Parce que j'ai un parking. Non, il était derrière nous là. Aucune idée. On passe dans les studios de cinéma, direction ouest. Je dirige vers le ponton de la Fête Forêt, direction ouest. Trans sud. 8007. Près de l'autoroute. Il part sur la derrière. Il part en 8006. On part vers le point Y nord. Ah, mais c'est ça qu'il faut qu'elle annonce tout de suite, c'est pas le 8006. Ah, je t'ai dit, il part sur l'autoroute. Ah ouais. Ouais, mais 8006, c'est même pas sur l'autoroute. Toujours vers le point Y, on part direction est. Si, c'est l'entrée. 6603 est. Ils arrivent vers nous. Ils ont pris leur petite route. Sud. On va à droite. Ils sont dessus. On passe dans les ruelles au niveau de l'hôtel. Mais je comprends rien. Non, au-dessus. Ils sont au-dessus. Ils sont dans les ruelles au-dessus. 70-11 est. Mais ils vont arriver là du coup. Oui. Ouais. La jaune, la droite. Et démarrer en passant secondaire plus 5.
Arrêtez-vous! Elle est speeding! Voilà, plus Ludo, merci d'être passé. Demain, pas de et live, je suis en renfort. Du coup, on se revoit samedi, nous. On est dans le studio de cinéma de l'Express. Et 52 individus en 60-66. Ah mec, il était dit qu'il y a un coach, c'est de la merde. Oh putain. Ah la vache. Il y avait pas vous le mot, putain. Eh bonsoir messieurs. Je vous laisserai descendre dès que ça ira bien. Et moi, il va pas pouvoir descendre, une poteau à ma droite. Et si ça va être compliqué. Essayez d'avancer un petit peu légèrement, ça devrait passer. Ah la vache. Ah c'est bon, normalement la porte est sous. Hey, attends, il me pose un bug, il est mal. Attends, ça fait mal. Et si il pense une petite contrôle quand même. Eh ben on les appelle. Putain. Ouais, oh, c'est pas grand chose non plus pour moi, mais. Et de 04777. Et de Marion, se rend sur le dernier atelier. On pouvait prendre le deuxième histoire qu'on soit 2 et 2. Et 4 pour tous. Et 2 centrales pour vivre, s'il vous plaît. Et ben, le temps que les EMS arrivent, on va commencer un petit contrôle, monsieur. Je vous laisse me présenter le papier. Vous pouvez vous décaler un petit peu, s'il vous plaît, parce qu'il peut pas bouger, monsieur. On va tous s'entendre, c'est oui. Ah ouais, mais on s'occupe de l'accueil, s'il vous plaît. Merci, Quig. Alors, étonné. Et merci, monsieur Lopez. Alors, vous étiez passager, monsieur Lopez. Eh, si, c'est ça. T'as un braquage de supérette, c'est ça? Eh, si, c'est ça. Et de Marie, j'ai traité avant 71-80. Et 15 sacs de soupe seulement. Je vais procéder à l'appui, monsieur Lopez. Et 10-4, raison du pied à terre. Eh, si. 10-26 pour l'ATM. Et 10-4. Je vous confisque le couteau et les 15 sacs, du coup. Allez-y, c'est pas le mien, de toute façon. Ça, je me dis bien. C'est tout, on peut laisser. Mais il y a parlé de couteau et les sacs. Si, les sacs, c'était les miens. Sur le braquage de magasin, sur la pelouse. Non, non, il est intimidé pour qu'il me les donne. Pas pareil, hein. Oui, c'est pareil. Il les a acquis d'une manière. En plus, j'étais en récidive, monsieur Lopez. Et si. Oh putain, ça va finir en jeu, cette histoire. Oui, allô. Attendez, reculez, c'est le goût. Oui, allô. Allez-y, passez. Et Adam, on se rend sur la dernière super avec 3 km. Légèrement blessé. A tout de suite. Bah, du coup, je vais voir avec les collègues. Ça sent le traquenard, Lego Postal. Hein. Faites gaffe qu'il n'y a pas un mec armé d'une mitrailleuse qui sort de derrière. Hein. Vous connaissez Lucky Luke? Il a entendu parler, c'est une bande dessinée, non? Exactement. Mmh. Et bah, ça sera tout pareil. Je plains celui qui essaiera. Bon, vous êtes de la chance, le collègue, il est pas en récidive. Eh, je sais. Vous avez une petite info à nous donner, un petit truc, ou ce sera l'amende? Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent, moi? Je sais pas, pourquoi vous plantez les collègues, par exemple? C'est pas moi qui plantais vos collègues. Non, mais c'est personne d'autre.
Par contre, là, c'est moi qui ai promis à 08 que je les gorgerai quand même pour ainsi. Et parce que c'est une merde. Vous avez fait, vous a mal parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, t'as vu le message? Ah, il tasse des Yang, tout est mort sur l'arrestation. On parle de qui là? Personne vient juste de descendre à la voiture. Et 08. 08, 08, ok. Eh, si, si. Bah, ouais, bah, vous touchez pas à 08 en fait. Et non, il touche pas 08. Ben, pour le moment. Oui, non, non, mais on va voir nous, ouais, on va voir nous. En fait. Si vous y allez, vous essayez de rendre moins con qu'avant, c'est ça? Une nappe, c'est une pantou blanche et une pantou rouge. Eh, bonsoir. C'est pour le... Bah, les deux, je pense. Vous avez besoin, vous, monsieur, ou pas? Si, ou un petit pansement derrière nous. 08, j'ai une pantou blanche en 31 actuellement, en 72. Si, il y a la tête, c'est les tableaux de bord, mais rien de méchant. Discrète, en fait... C'est de la bouche. Finalement, non, tu t'es pas chier avec une jambe. J'ai de la pantou rouge devant. Et de 72, je vais t'arriver à ces cafés. 72, raccroche. Pour la course poursuite sur la Panto blanche, sur la Panto rouge, c'est devant l'Africa. Devant l'Africa, c'est 4-4. Deux individus armés, je répète, deux individus armés, on est braqués, on s'écarte. L'Africa en 71-75. On essaye d'abréger 23. Bien sûr. Le 29, vous confirmez qu'il y a une banque en cours là? Je confirme qu'il y a une Monsieur banque Lopez, en cours en 71-75. Passez au second air, s'il vous plaît, j'ai plus de la surveillance. C'est madame Doelial, c'est du quartier qui fait lever. C'est agréable d'avoir l'affaire des policiers pour tout. Il n'y a pas de raison qu'on soit con si vous n'êtes pas con. Adam, attends, où vous venez de tirer? C'est un 08. Et 0-24 qu'on arrive. Ne me répond pas, c'est génial. Est-ce que je commence à avoir des pays, s'il vous plaît? Oui, c'est encore en service, non? Oui, banque en cours. Eh, 29, je suis dispo pour Nego. Vous êtes sur la radio? Eh, 10-4 pour Nego. Je peux prendre le leader. Ok, je me mets en stand-by au poste, du coup, le temps que ça prenne les infos, et vous donnerez le top à la vachette. Ça va? Ah, on va voir si c'est banque, c'est SWAT, si c'est autre chose que banque. Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, c'est deux personnes avec des masques de débeau rouge. Ils ont levé du coup madame Doega. On va se préparer juste. Qui c'est qu'il peut y avoir? On est sur les lieux de Panto actuellement. Ok, on va être en place sur l'or. On a raté une gargouille, ça part en 10-31. Sortir le Riot, ils vont être... Eh, y'a. On va se préparer en SWAT, donc non, ça va être compliqué, il va même falloir que quelqu'un me reprenne la centrale. Monsieur ? Oh. Alors, de 21, j'aimerais que quelqu'un reprenne la centrale à 68, s'il vous plaît, et j'aimerais avoir un superviseur autre que 68 qui n'est pas disponible. Je suis pas sûr de pouvoir superviser. 10, il me faut un superviseur formateur. Ah, 10-4. 32 et 45, on va venir superviser. Oh, le DS, compliqué hein. Oh, galère. Clac clac, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre?
Adam 4844, on arrive sur la prise d'otage. Attends, il y a 30 qui m'envoie un message, je vais voir où est-ce qu'il est 30. Allô ? Vous êtes déjà en position là-bas ou pas ? 10-10, là, on est au PDP là. Eh bah, descendez, habillez-vous SWAT et prenez une M4. Je vous attends au parking. 65 qui se mettent au niveau du light pour couvrir la partie ouest. Et 52 l'individu Marie. Adam 88, on arrive pour 71-65. Les IR 24, on couvre le côté ouest. Et VIR 24, on est en 71-74. Regarde, c'est pas trop chargé. Si, c'est trop chargé en fait. Je me prépare pour aller niquer des nerfs. C'est qui veut pilote? C'est qui a le permis camion? Vas-y, je prends. Tu l'as, le permis camion? Ouais, je l'ai. Vas-y, bah descends, je te donne les clés. De 21 pour SWAT, vous êtes combien actuellement? Et de SWAT, on est 4 en stand-by dans le garage. Là, ça marche. Et bonsoir. Bonsoir. Braquage de banque confirmé. Merci 45. Quel génie. Je suis arrivé sur le lieu, lumière. Effectivement, des gens braquent. Est-ce que je vais pouvoir sortir de 21 pour SWAT, vous pouvez venir jusqu'à la banque et vous placer à l'arrière en 72-13, prêt à intervenir si top inter. Et de SWAT 10-4. Et du coup, c'est deux otages, il y a deux otages du karting au moins. 72-13. Hein. Adam 08, quand vous serez de retour, vous placerez en 71-74 pour couvrir le carrefour à l'ouest de la banque. Eh bien pris. Ah mais les codes, histoire que ce soit joli. Combien? 72-30, elle a dit. Ok. On va jouer un autre zip, mais ok. En 72-13. Il faut des gilets par balle ou quoi. Ah, j'espère. Dédié, tout le monde est censé en avoir revenu sur le. Et 0-24, toujours en position en 71-74. Répétez ma question. Félicitations. 0-24. Et 10-4, j'aimerais toujours que quelqu'un reprenne la centrale, s'il vous plaît. Et 72, je veux dire. De 67, j'ai bien le point vert, hein, sur récidive, il faudrait le placer en GAV, parce que j'ai une patrouille qui pourrait venir le récupérer. Mais non, c'est la salle d'arcade. Désolé, se laisser tomber pour les GAV, on s'en fout. Et 10-4. Je sais pas, 70 combien tu voulais, gros? Et 73, saute 8, de vite. Là, louche. Et laissez la. Ouais, 75 pour l'idée de s'il vous plaît. Ok, bah c'est bien ça. Ah, c'est derrière la banque, oui. Là à droite et on stand-by ici. Ici là ? Insère-toi dans la ruelle et on stand-by dans la banque. Dans la banque, dans la ruelle. Ok, la dame à l'est. Tu coupes le moteur non. Et. Ouais. Ah bah, oui. Encore mieux. Top.
Tango 80, vous allez vous placer en 71-77. Puis on laissera le véhicule là et on ira à pied. On va voir. Ok. Et deux SWAT en position 72-13. Et des scans bien prêts. Ah oui, 30, pour information, je gère la radio. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, juste de l'écouter. Donc là, c'est une banque qui est en train de gagner du temps, là. Ouais, et ? Ils sont actuellement 3 preneurs d'otages visuels. Ok. Bon, en espérant qu'ils arrivent à négocier, parce que ça... 45 experts du constat. Ouais. Oh, la tire est les ronde. Individus sont effectivement des humanoïdes bipèdes. Une arme et des masques de diable. Ils ressemblent effectivement à des braqueurs. Eh, hey, 229 pour le topo. Madame Noelia est bien à l'intérieur de la banque. Les individus vont littéralement se barrer hein, après la banque. Aucun tir sur les individus, hein. J'ai pas envie qu'il y ait mort. Oui. C'est la négociation actuelle pour le moment. Ouais, tu veux qu'on mette pied à terre ou dans le véhicule? Rester en véhicule parce que de ce qu'on comprend, okay, là, les individus vont partir. Bah, du coup, ça va partir, on tire pas dessus, c'est ça? Acquiesce le message en radio. Pour l'échange de l'otage. Mettez-vous en pied à terre et on fera quand même un contrôle de la banque une fois qu'ils sont sortis. Ah, c'est des puntos, je pense qu'on a pas besoin de sortir l'armée. Ouais, allez, pied à terre, les gars. Ça devrait le faire, oui. Pour information, apparemment, ils seraient beaucoup plus nombreux que ce qu'on voit, donc faites attention à ce que ça sorte pas d'ailleurs. Il est fermé le véhicule. Il y a apparemment beaucoup de vagos qui tournent à moto aux alentours. Ouais, c'est fermé le véhicule. Ouais. Ouais. Mets ton casque. Et le central, mettez-vous à jour sur votre position sur le dispatch, s'il vous plaît. Il y a un vélo à gauche. De Marie, code 4. Et de Marie, rapprochez-vous de nous, vous serez peut-être sollicité. Et 10-4, on met le plan dans la... L'IDOP de SWAT, on a un vélo abandonné dans le garage en 72-13. Et 2-29, faites attention, ils peuvent partir à tout moment là. Hein. Et 10-4, bien pris, SWAT. 2-08, il y a un wagon qui passe proche du dispositif. Si c'est la zone de 3, vous le virez s'il vous plaît. Et 10-4, je suis en place en 71-74. Bon, ça marche, oui. Dame 08, allez voir au parking à l'arrière du de la banque, s'il vous plaît. Il se barre, on se barre, on se barre, on est le temps de venir. Tirez pas, vous ne le direz pas. Pour chaque véhicule, s'il vous plaît. On va se passer, on va se passer. On va pas tirer, on va pas tirer. Attendez, il a pas le permis. Il va bloquer, il va bloquer. Attends, je m'en sers, je m'en sers. Hop là. Oh putain, viens-toi. Allez, go. Et bonsoir, SWAT. Levez les mains. On sait jamais. Levez les mains si... Ah, putain. Toujours au pire moment, c'est un truc de fou. Ouais, putain, casse les couilles, cette extinction de voix, là. RS, ok. Ouais, RS. Ouais, on a... On amène madame. Il y a un vide dans le métro. Bien. Attendez, je ferai le call, essayez de voir le. Ça va. C'est pas fait prendre encore. Elle est divisée, traitée. L'IDOP de SWAT reste dans la banque, prise en charge à la victime. Je vais traiter dans le métro. Vécu dans le métro, attention. Quelqu'un peut appeler les EMS pour les rapprocher. Ils sont là, je vais les chercher. Ouais, sinon on accompagne la dame, hein. Ah, ils sont où les EMS? À droite? Eh ben on va y aller. Venez avec nous, madame. Ouais, regardez, ils arrivent même vers nous. Ils doivent venir devant? Ouais, 10-10. 10-4. Vous allez être prise en charge par les EMS, madame. Si jamais vous avez besoin de discuter avec eux ou quoi, vous n'hésitez pas. On est en 72-45, on fait un pied à terre.
08, je suis en train de courser à quelqu'un dans le métro. Bonsoir. Eh, bonsoir, c'est pour madame là. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut là-bas? Putain. Et vous allez vers où à peu près dans le métro? C'est des proches, c'est des proches. Ah, c'est les proches. Alors, on est parti okay. Sur la ouais, c'est ligne des proches. Je les ai vus tout à l'heure, c'est des proches. 77. Un peu il manque une personne, non? Bah, il y a combien d'otages? Combien vous étiez dans la banque, madame? Vous étiez Villa. Combien d'otages? Toute seule. D'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup. C'est quoi le rêve-là, là? C'est les proches. C'est des proches. Ça marche. Bon, ça aura pas été si passionnant que ça pour ta première 30, mais bon... Ouais, bon, tout le monde est en vie, c'est le principal. Ouais, c'est déjà fini, oui. Vas-y, fais demi-tour, il arrive de l'autre côté. Et il parle d'où, lui? Il a fait demi-tour. Il repart. Mais... Il est où? On est d'accord, on a entendu. Vous arrivez, nous avez entendu. Ah, moi j'ai entendu hors radio, ouais. Vous retirez le call? Dans le métro en 72-46. En bas, on a un individu qui Ouais, je pense qu'ils sont en dessous. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont en dessous en fait. Ils sont en face de nous là. Combien d'unités dans les. Tout bon pour vous on peut vous laisser là? On vous laisse. Il faut prendre de l'autre côté, 40 bon. Ah, ah oui, c'est bon. Et bah, bon courage et n'hésitez pas si besoin. Merci. 72-46, on a des comptes. Bonne soirée. Ils ont des contacts 72-46. 72-46, putain. 72-46. Ouais, c'est pas notre job, mais bon, je vais demander confirmation. Ouais. Et de soit, lever le dispositif devant la banque. Quelle est la conduite à tenir pour les tiens? Vous voulez qu'on se rapproche? Ça tire pour tuer, vous abattez. 10-4, soit essayez de raccrocher aux calls qui sont donnés, mais ils sont dans les métros, donc compliqué de rejoindre. Il y a une personne qui va remonter au niveau du métro en 72-15. 72-15. Go, derrière nous. Ouais, j'essaie de tourner. Putain, le. Ah, j'ai un 72-15, y'a un individu qui va remonter avec une valise. Ouais, 10-4, soit ton sien. Neutraliser là, je vais neutraliser sur le métro là. Ah ouais, ça neutralise au calme. Oui. Ferme bien le véhicule, il est là. Ferme le véhicule. C'est collègue. Arrête de bouger. Lève-toi. Putain, le con. Aïe. Ne me faites pas de mal. Eh, bonsoir. Allez, les gars, bonsoir. Vous pouvez nous rejoindre en 72-45 pour allez. Nous dans le métro. Allez, venez vers moi, monsieur. Ah, putain. Ah, c'était la course de ma vie. Ah, ouais, je me doute. Enlevez votre bandana, s'il vous plaît. On pourra pas l'emmener, hein. Bah, c'est justement pour ça que je vous le laisse. Ouais, je vais aller chercher mon véhicule. Ou alors vous m'amenez jusqu'à mon véhicule. Et le deuxième bandana, du coup. Quelqu'un va venir. Très bien. Ne serait-ce pas monsieur Diouf? De soit, on a besoin d'une unité en 72-15 pour le prévenu. Bon, je vais vous palper, monsieur Diouf. Ça va, vous? Forcément, hein. Nickel. Faites, allez-y, si ça sert pas. Vous allez vous y remettre de votre course? Putain, j'ai plus de souffle. Ah, t'es lent, celle-là, hein. Ah bah, tu m'as fait courir, toi. Ouais, c'était pas le plan. Ah bah... Oh, bordel. Wouah. Hop, je note bien l'argent que vous avez sur un petit papier, je vous le confisque. Également, votre pistolet. On a un troisième individu interpellé en 72-15. Votre gilet. Et deuxième individu qui est à terre. 72-46 dans les métros. Est-ce que tous les individus ont été interpellés? C'est quoi une cups? Bonsoir. Oui, il y en a trois. C'est des petits trucs pour le bière-pong. Ils sont tous en 72-15. Pour la quoi? C'est pour faire du beer pong, c'est des gobelins. On a un qui est à terre dans les métros en 72-46. Et je vous confisque également radio. Ah bah non. Si quelqu'un peut repalper monsieur pour prendre radio téléphone. Excusez-moi, en 71-78, on aimerait savoir où il est. Ensuite on me note et on en bas. Elle est où la voiture? Vous avez une voiture les gars? Aucune idée. Non, si, je dois aller chercher ma voiture justement. Ok, bon, on patiente. Pour c'est bon, monsieur. Ça conduit vraiment comme de la merde. Alors, il y a quelqu'un qui m'amène jusque là-bas. Ma voiture en Riot, est juste à côté. Hein. En Riot, on va mettre 4 ans. Allez, ah. Ma voiture est en 71-79. Ah, juste à côté. Hein. Ça va. Top. 71-79. 71-79. Il y a quelqu'un qui est en cours d'aller la chercher là ou pas du tout? Non, justement, il y a personne, mais on peut me déposer limite.
23, dépose. Pas 18. Comment vous allez, monsieur Douf? Mal, le plan a trop mal tourné. Ah bah... Oh, je trouve pas tant que ça. C'était quoi le plan? On a chopé tout le monde. Ah, vous avez chopé tout le monde? C'est à vous la voiture dans les... Le plan a vraiment mal tourné, putain. Dans le métro, c'était à vous la voiture? Il y avait pas de voiture dans le métro. Et c'était... C'était pas un... Vous avez trop regardé un film, vous. Je reconnais. Comment ça? Des petites voitures, une banque, des métros... Et c'est tout bon pour 43. Attends, ils ont trouvé la caisse dans le métro. Comment ça? Je sais pas, c'est parce qu'il a dit le collègue. Ouais. Ça me rappelle le braquage à l'italienne. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais j'ai vu qu'il repartait l'officier 8, je crois. Il va arriver avec voiture. J'aurais bien mis une gove dans le métro, mais. J'aurais pas dû arriver, il y avait plus la gove. Ah ouais, ah, c'est terrible. Ah, c'était terrible. Mais il y avait bien une voiture à la base, quoi, c'est ça. Ah, il y avait une voiture, ouais, à la base. Ok, ok. Ouais. Ah ouais. Quelqu'un vous l'a volé, cherchez pas. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Ou alors, ouais, c'est le gars du métro qui l'a enlevé. Putain, putain, on a fait vite. Le voleur volé. Vous imaginez un peu. Ah, le sub. Et le BMX sur le parking derrière en. Ah, il était à vous le BMX ou pas? Ah non, ça, si j'avais su, peut-être. Putain, j'avoue, ça aurait été vachement mieux le BMX dans le truc. Ah ouais, c'est pas bon. Ah, prenez des notes. Ouais, je prends un truc. Vous voulez une clope pour patienter? 72. Non, du coup, j'ai déjà plus de soupçons, on va éviter. On va embarquer. Ouais, bah, ça tombe bien, de toute façon, j'en avais pas. Madame, on contrôle pour le vent. Nickel, y'a votre carrosse qui arrive. Allez, venez. Y'a quelqu'un à droite? Ah oui. Ah ouais. Restez là. Ah ouais. Oui. Et. Hop là! Allez, bon courage. Ouais, ça m'a tourné, gros. Hein. Rentre avec vous? Ouais. Bah, oui, rentre allez-y, avec lui. Pas le choix, là. Ça fait vraiment qu'ils m'ont dit tout le monde. Et de SWAT 10-19. Et Lincoln 08 10-19, avec les deux prévenus. Bon, au moins, le point positif, c'est qu'on n'a pas tiré un pruneau. On va nous reprocher. Oui. En fait, tu vois, le plus dur dans ce genre de situation, c'est de comprendre le plan qu'a le lead OP en tête. Parce que bah malheureusement, et heureusement dans un sens, mais on n'est pas dans sa tête. Donc ça veut dire que il faut qu'on essaye de capter. Faut qu'on essaye de capter son idée d'intervention pour nous placer. Là, par exemple, on annonce le BMX, on se rapproche derrière et on nous annonce en radio, laissez partir, de toute façon, on récupérera l'otage après. Voilà. Oui. D'ailleurs, allez peut-être aux EMS. Attends, je vais passer un call sinon. Il est dopé de SWAT. Edicat à l'écoute. Ah, est-ce que quelqu'un est parti aux EMS pour réceptionner la victime pour une déposition? 10-10. Actuellement, vous êtes tous dans les souterrains, donc c'est compliqué. Ouais, 10-4, on peut s'y rendre, mais on n'a pas de place dans le Riot. Hein. Et des centrales, je peux y aller. Et 10-4, 72 LC. Par contre, c'est dingue, hein. On rentre dans la banque, extinction de voix. Ouais, on a vu. Oh là là, ça m'a saoulé. J'étais en train de lui dire levez les mains. Et. Qu'est-ce... Ah, il va lui aussi, extinction de voix. Vous voyez, j'ai dit extinction de voix. Ouais. Phoenix. C'est fou ça. Eh. Je te vois. Ah, j'ai capté dès que je t'ai vu lever les mains, j'ai switché sur les pompes et j'ai repris la tête. Ouais, non, mais t'as eu raison. Hein. C'est ce qu'il faut faire. J'ai une question. J'aurai une réponse. Quand il y avait l'otage là, elle savait pas quoi faire et du coup, quand elle lève les mains. L'extinction de voix. Comment? Ah, vas-y, fini. Quand il y a eu l'extinction de voix, et ben vous avez continué, etc. Et du coup, j'ai préféré la prendre et la sécuriser elle directement. Ouais. Et du coup, non, mais c'est bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on arrive au contact d'un otage, elle lève les mains déjà pour être sûr. Elle lève les mains, elle est escortée dehors et au mieux, on la palpe. Au mieux, ok. Moi, je pense que là, on l'a zappé. Ouais. Mais au mieux, on palpe.
Et après, bon, on l'accompagne aux EMS et les EMS font le truc. Une patrouille rejoint aux EMS pour prendre une déposition, s'il y a un dépôt de plainte, etc. Pour la patrouille qui est là, quoi. Ok, parce que là, j'ai vu qu'elle était là, elle savait pas quoi faire, je l'ai juste sortie, quoi. Je l'ai sortie, je suis resté avec elle juste à l'entrée, au cas où ça dégénère, j'étais là sur votre bac. 26. Mais ouais, j'ai préféré la mettre en sécurité direct. Vu qu'on vous avez bien fait. C'est bien, surtout qu'on est dans des... On vous les a pas encore montrés, les banques, donc c'est okay. Normal qu'il y ait ces interrogations-là, mais dès qu'on va vous les montrer, tu verras que le plan, il est à peu près similaire, hein. Et vu que j'étais derrière, j'étais déjà 3 devant, donc Je me suis dit que ça servait à rien. Sécurisant en deux derrière, c'était bien. On va se déséquiper, les gars, et... Et où ça, dans les sous-sols? Attends, on va voir s'ils ont besoin de... Ah, situation calme dans les sous-sols, ou... Parce qu'on a effectué le 10-19. C'est géré, les EMS viennent de partir, du coup on part aussi. Eh, 10-4. Vous oublierez pas si jamais vous avez pris des trucs sur le mec. Muriel, j'ai son téléphone et sa radio. Ah, ok. Moi j'ai le reste. Vir 24 est devenu Vir 45 qui est en face de moi. Attends, parce que du coup, j'avoue. Mettez à jour votre dispatch s'il vous plaît. 28 Citrèves du coup. Et on remonte avec les EMS GED pour transporter le patient. De Adam 43 Pilateur EMS. Et 45, je me rends auteuse avec la vire, elle est en sale état. Vous êtes accompagné ou vous êtes solo, 45? Je suis un dame seul. Ouais, j'ai récupéré 252 161 $ sur Monsieur Diouf. Putain! Ouais. Ça va être la banque. Ouais, du coup, j'ai encore ça sur moi. J'attends de voir ce que donnent les entretiens. Les interrogatoires. Et. Vous confisque tout, on fait vérifier, on. Comment ça se passe? C'est pour moi, c'est banque, on confisque tout, on met. Et bonsoir, pour une réponse, s'il vous plaît. On confisque tout, on met en saisie, on voit avec la banque si ça a été récupéré et ce qui a été volé et on voit avec la banque. Ouais, ça marche. Du coup, j'en fais quoi, moi, des thunes, là? Parce que... Vous pouvez les mettre en saisie... C'est du propre. En salle de saisie, non? Enfin, c'est... c'est de l'argent de poche, quoi. C'est pas de l'argent... Dès que j'arrive, on le mettra dans le bureau commandant. Mettez la valeur exacte que vous avez récupérée et... C'est noté. Pas de problème. On mettra ça dans le commandement. Allez, ça roule. À plus tard. Oui. On est d'accord, un TPH, une radio, t'as pris... Je vais déposer la chemouli, là. Parfait. Ok. C'est pas l'intervention qui te vendra du rêve. Pas grave. Tout va passer. C'est déjà un bon début. Tout s'est bien passé, ça va. C'est normal qu'on soit pas escorté.
Et King Ron, pilotateur aux EMS. Ah bah voilà. Commandant, vous pouvez suivre l'emploi. Bah dis-ce qu'ils sont où? Oh, oh le cirque pain beurre ce soir, ouais. C'est ouf. Hein. Ah, moi ça me saoule les soirées comme ça. Marie, code 4. J'ai l'impression qu'on passe pour des peintres en fait. Ça me fatigue. Totalement, oui. Ça me fatigue parce que le pire c'est que les agents ils savent faire. Hein. C'est pas parce qu'ils savent pas faire, ils savent faire, hein, répondre à une radio, être réactif, etc. C'est des choses qu'ils savent faire, mais je sais pas. Il y a des moments ils décident d'être cons ou je sais pas. Bon après j'espère, j'ose imaginer que vu qu'il a pas relancé et qu'ils se sont rejoints. Je vais voir ce que ça donne dans les cellules. Adam 88 19 Elise 4. Oui, allez essayer de porter compagnie au cadet qui est au milieu des cellules. Là, il est tout seul pour trouver. Il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Merci, je vais pisser, j'arrive. Enfin, moi, je l'ai vu tout seul. Hein. Peut-être que je me trompe. Allez, j'arrive, chat. Et de Marie 10-23 sur ATM, une personne jaune sur place. Adam 88 pieds à terre au PDP. Et 45-19.
sortez de ce coin là parce que c'est moi qui vais vous sortir là. De 17, c'est un 17. Oh, ferme ta gueule, j'ai pas trop fort.
Heureux. Allez. Il y a eu un truc. Madame 43, 19 avec un individu. Avancez vers la personne qui tire dessus. Avancez dans le danger. Et pourtant, je lui ai dit, d'être con, de reculer et de juste l'empêcher de sortir. Et dès qu'il monte la tête, il couche. On était deux de chaque côté. On lui faisait. Le mec, il pouvait pas bouger en fait. S'il bougeait, il se faisait abattre. Et bonne soirée, les collègues. Et je l'ai enlevé vers l'épaule pour laisser reculer. Et il est tombé devant moi. Et j'ai fait, bon bah voilà. Okay. Je t'avais prévenu quoi. Voilà. Ça, c'est un problème, il faut pas laisser les agents faire ça et surtout pour être pris en exemple quoi. Ouais. Ouais. Bonne soirée les alcooliques. C'est qui s'est pris pour Bonne soirée. Bah, 29. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Non, 29. Bah, il se faisait tirer dessus, il dit tiens, je vais courir vers les balles comme ça, je vais abattre le mec. Ah, c'est bien ça. Je lui donne de l'argent. Oui, c'est des balles qu'on gagne. Ah, ouais. Gentil ça. Ok, ouais. Bah, très bien. 3,5 c'est ça. Bientôt. J'alimente, regardez, vous allez voir. Et Marie 67 demande unité transport pour un 10-19 pour Diabito en GV. Hop. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, j'alimente. Casper, t'as des trucs à. Redis, etc. 80 francs. Et la position, non, c'est tout cet argent là. Non, rien à dire. C'est celui de Diouf. Ce qu'il avait sur lui. Il récupère sur la banque. Oh la vache. Mais c'est bien, il contribue, c'est bien. Ouais, je vous avais dit parce que... Ouais, je vais aller dans... Elle est marquée dans Java, si jamais... Ah, parfait, c'est bon, nickel. Ah oui, il y avait beaucoup d'argent, ouais. Ah oui. Ah, ils ont juste braqué une banque, Louis, c'est normal qu'il y ait de la thune, quoi. On va devoir la rendre aux assurances, vu qu'on fait la banque, du coup. Y'a rien de pas ajouté, c'est bon. Des fois, dommage. Oui, je tue. Non, 21, c'est bon. Prends le temps de poser. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal d'avoir l'impression de faire de la merde, aussi. T'es exigeant avec toi-même, c'est normal. Si on se trompe, qu'on apprend. Ouais, faut juste pas les répéter les erreurs et tu verras que tu seras une très bonne idée. Marche. Tout va bien? Oui. Détendu. Une séance de méditation, je crois. Ah. Détendu. Pourquoi ça? Parce qu'il y a du ouf en cellule et puis je mange à la tête. Ah, ça. Il n'y a pas de coin et bonne fin de service. Voilà. D'accord. Bon. Très bien. Bon. Allez, tendu, oh Natacha. Et j'ai connu un réflexe, hein. Ouais. Moi, si je fais ça, je me bloque le dos, oui. Ah. J'avoue que je pense que je vais prendre ma journée demain, mais oui. Ah, mais c'est pour ça. Oui. Oui, non, oui. C'était tendu, 21. 21, ah, ouais. Ça arrive, son premier idopé, bah, son situation réelle, c'est normal d'avoir l'impression d'être sous l'eau, c'est normal. Bah, bien sûr, on l'a tous été à sa place. Et puis de toute façon, chacun, entre guillemets, du moment où le plan d'action il est établi, chacun doit se gérer. Hein. Oui, mais après là, déjà c'est parti hyper vite, du coup il n'a pas eu le temps de poser vraiment les choses, de réfléchir, il n'y a pas eu de négo, c'est parti dans les égouts où tu sais pas te repérer, enfin, c'est compliqué quoi. Comme à l'époque j'avais fait une idopé quand ils avaient fait une prise d'otage sur la grue là au chantier près du PDP, là. Ils sont partis en parachute, ils sont écrasés par terre. D'un moment, t'as l'impression d'avoir fait de la merde, oui, mais bon, d'un moment, tu peux pas. Tant qu'il n'y a pas de blessés. Chez nous, il y a 29. Ou en victime. Ah, oui, si, oui, il y a 29. Est-ce qu'il est vraiment chez nous? Ah, 29. J'ai mon avis, je garderai pour moi. Non, bah oui, de toute façon. Il n'a pas été muté à Vinewood, là. Ah, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, quoi, mais bon. J'ai mon avis, je garderai pour moi. Parce que j'ai le pire avis du PDP sur lui. Oui. Puis il bosse, ouais. Exactement. Oui. On a beaucoup d'agents, on n'aime pas leur façon de faire, mais comme ils bossent. Oui, au prochain commandement, oui. Ok. Du coup, on a des JAV là. Et qui ont JAV? Et moi, je vais voir Kazuroko et c'est le seul qui est pas, quoi. EMS, lui, encore, il devait. C'est Yoshiro, JAV. Pourquoi? Ah, c'est Voldemort. Mais arrête, 11. Moi j'étais pas sur la secondaire. Il y a Chico. Moi j'étais pas sur la secondaire. Un truc comme ça. Ici la méditation. 2:30. Et après je sais pas. On en avait pas 3. Alors il y a Monsieur Yoshiro, il y a Monsieur Diouf. Et troisième c'est. Oui mais Yoshi. Oui non mais celui qu'on a là c'est pas. Ah mais il y en a un aux EMS. Exact. Oui il y a Yoshiro Kawasaki là. Je sais plus comment c'est. Et là c'est Ashiko. Zuroko. Ah il vient d'arriver. Oui il est arrivé, je l'ai vu passer. Oui. Magnifique putain. Il avait une petite mission pour moi lui. Moi je trouve que je suis mieux ici que là-bas. Pareil.
En fait, j'ai commencé à partir et je me suis dit, ouais, non. Ouais, non, mais oui, je vous ai vu partir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ici. Non, mais je me suis rappelé que ce type, il fait des trucs bizarres avec sa langue. Ouais, non, et puis de toute façon, je suis pas formé interrogatoire. Hein. J'ai été initié. C'est la vire de qui que j'ai niqué du coup. On m'avait prêté la vire du coup. 45 était allé la réparer, donc je sais pas si c'était à lui. Ah merde, non, c'est celle de 68, c'est chiant. De toute façon, il est parti se coucher. Et on a interpellé un type tout à l'heure lors des convois. Je sais pas si t'étais levé à ce moment-là. Il y a eu plusieurs convois de. Ouais, vous avez chopé lequel, le Novak multicolore là. Ouais, le Novak multicolore. Ah, j'étais là, ouais. Avec Morales là. Mmh. Et pour moi, il y a un truc, il est trop clean, tu vois. Pour moi, je serais à leur place, j'aurais balancé plusieurs Novak multicolores direction nord et je pense qu'on n'est pas tombé sur le bon. Ouais, je pense. C'est ce que j'ai dit à 66. Je pense que la prochaine fois, je lui dis peut-être pas mettre 3 patrouilles dessus, mais. Mais ouais, je pense qu'il y a eu plusieurs véhicules et on a pas attrapé le bon. Bon, après ça arrive, hein. Écoute, on peut pas. Oui. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'ai MDR juste pas contrôlé la plaque. Tout le reste, j'ai fait. Et puis, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref. Non, je vais peut-être dire de la merde, ça. En plus, il s'est pointé en mode tout 50 km/h tranquillement, pépère. Je me demande si t'étais chez nous ou pas. Je m'en rappelle même plus. Terrible, hein. Tu vois un peu. Hein. Ouais, non, ouais, je pense plus à l'heure. Après, de toute façon, ça sert à rien de se torturer l'esprit. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Et j'imagine que tu comprends, c'est toujours dans l'optique de s'améliorer. Oh bah, bien sûr, bien sûr. On est bien d'accord. Hein. Alors, merci à tous les agents de se mettre à jour sur le 10, s'il vous plaît. Je pense que je vais pas tarder, moi. Ouais, je pense que je vais faire de même, oui. Ça m'a chéché, là. Ok, je vois 88 pour le dossier vire. Ah d'ailleurs ça avance ça. Ça avance un peu, mais il faut que je... Enfin il faut que le commandant m'accorde du temps pour revoir certains trucs. Ah, parce que de ce que j'ai compris, ils ont fortement envie de le faire avancer. Ouais, sauf ça, c'est qu'il y a un ou deux points qu'ils aimeraient bien revoir avec moi et ça doit faire bientôt une semaine qu'ils disent à chaque fois et que je relance. Hein. Oui, ouais. On doit se trouver un moment, je dois se trouver un moment. Je suis pas là demain, si ça se fait pas demain, relancez-moi samedi. S'ils sont là, je ferai le push. Eh ben 10-4, merci, ça fait plaisir. Je pense que... En plus, je sais crampes, que certains agents sont intéressés, du coup. Non, ah bah... Ouais. Et 208, 19, pas qu'un prévu. Bah ouais, parce que il y a plusieurs unités qui vont commencer à être pleines. Je sais que la mienne, elle est pleine, donc je m'en prie plus. L'anti-gang, je sais pas. Le BE, je sais pas combien ils sont non plus. De quoi ? Le BE. Je crois qu'on est loin d'être plein. Ouais, l'anti-gang, voilà, ils recrutent. Le BE, je pense que ça va pas tarder à être plein. Donc, vous voyez, en fait, à un moment donné, les agents pourront plus rejoindre un truc, donc. Oui, bon. Après, je vais pas prendre le reste. Hein. C'est plus dans le sens où il faudra qu'ils aient un minimum, ça correspond un minimum à leur profil. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que sur peut-être, je veux dire un connerie, mais sur 50 bonhommes, il y en aura peut-être que 30 qui seront pris quelque part, et t'en as quand même 20 autres qui... Il y aura des profils intéressants. Bah bien sûr, voilà, exactement. Et bah nickel. Ah, on a même arrêté, hein. Bref, moi je me casse. Ah, ouais, bah écoute, à plus tard. Hein. Je sais pas. Et c'est un 17-207, bonne soirée. Et ce sera le pour Barry. Marie 10-4. Toujours 10-26. Non, on est en train de 10-19 avec le véhicule de la personne qu'on a 10-26. Allez, j'ai chaud. Hein. Okay,
Bon, mesdames et messieurs. Et de 09, c'est un 17. Merci d'avoir suivi ce live. Merci au sub, au resub, au follow, à la modération. Merci à tous. Cool. Je vais voir chez qui on part aujourd'hui. Et on va partir chez. Et Tango 81, pied à terre au. Ah ouais, Black Knif, terrible, terrible, on va voir. Allez, ça, on tège pour pas prendre le streamac parce que je vais lancer le truc pour prendre son pseudo. Hop, hop, hop. Putain, mais on avait pas de musique jusqu'ici, terrible. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous dis donc pas à demain parce que je suis en renfort sur Saint-Etienne pour la Coupe du Monde de rugby. Je vous dis, et d'ailleurs je le suis. Non, ok, demain oui, à Saint-Etienne. Bref, on se retrouve samedi soir. La bonne nuit, ciao ciao! Trouve des places. Bah, si c'était pour regarder les matchs, ça m'irait mieux. Hein. Allez, bisous.